せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。
Allez, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis pas aujourd'hui, on va continuer un peu de Fate Grand Order. Excusez-moi, faut que je résolve un petit problème technique sur le stream deck. Voilà. C'est mieux, ça marche mieux. Voilà, nickel, incroyable. Salut, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, pourquoi est-ce que le chat ne s'affiche plus? C'est terrible ça, ça y est, ça recommence, Stream Deck, enfin, pas Stream Deck, mais. Streamlabs qui fait n'importe quoi. Attendez, test. C'est un test. Non, c'est bon, ça s'affiche. Ok. Bah écoute, bonsoir. Aïe aïe aïe. Alors, Kamisama Arigato. Oui, je pense que je veux dire Kamisama Arigato, je pense. Parce qu'il y avait Rena Circulation qui traînait tout comme ça. Ok. Sinon, on veut Elden Ring ici. Tu n'auras point d'Elden Ring sur cette chaîne, malheureusement. Je suis pas suffisamment doué de mes 10 doigts à la manette pour jouer à un Souls-like, voilà. Donc, non, je vais pas faire Elden Ring, clairement. Et puis si je le fais, je pense pas que ce soit en stream. En tout cas, pas pour l'instant, mais c'est pas au programme. C'est pas au programme. Même si je reconnais que ça a l'air d'être un excellent jeu. Quoique un peu optimisé à la piste sur PC, mais ça va. Bah, voilà. Mais non, pas d'Elden Ring ici. Aujourd'hui, en tout cas, on va refaire du Fate, du FGO. On va reprendre l'histoire de l'événement qui est actuellement, donc avec Circé et Ulysse. Et une fois qu'on aura fait ça, donc on a deux chapitres d'histoire, je crois, qui sont débloqués aujourd'hui. Donc ça devrait nous prendre une petite heure grand maximum. Hein, voilà, clairement, ça devrait aller assez vite au final. Et du coup, bah, avec le temps qui nous restera, on va reprendre un petit peu le Nuzlocke de Pokémon parce que j'ai envie de l'avancer celui-là. Voilà, tout simplement. Nanana, voilà. Et puis, il faut que je vous dise un petit détail, un petit truc, c'est que normalement, si tout se passe bien, à la fin de l'event de FGO, là, donc normalement après samedi prochain, donc j'imagine si je fais des lives lundi, normalement bah, du coup dès lundi, je pense, donc dès lundi prochain, dès la semaine prochaine, je devrais pouvoir vous présenter le nouvel habillage graphique de cette chaîne. Parce que oui, j'ai décidé d'encore changer, voilà. Hier, enfin, je crois que c'était jusqu'à hier ou jusqu'à tout à l'heure, je crois que c'est encore actif actuellement, faut que je vérifie. Attendez, excusez-moi, je vérifie vite fait mes sources. Ils s'appellent comment leur site déjà? Je crois que c'est ça. Je vais voir. Ouais, c'est ça, ce n'est plus disponible, c'est bien ça. Ah, si, c'est encore en dispo pendant 2 heures, c'est ça, donc pendant 3 heures, c'est encore en dispo. En gros, ce qui se passe, c'est que eh ben, sur le site qui s'appelle Owned, donc avec un 3 à la place du E, un site qui propose des assets de stream, hein, genre des overlays, des emotes, tout comme ça, il y avait des soldes pour les overlays. Et à 50% de réduction, machin machin. Salut Gandalf, hello! Et du coup, il y a des soldes sur les overlays, donc j'ai décidé de me faire un petit cadeau à moi-même. Et donc je me suis payé, je crois que c'est 35 €. 35 € des assets de stream. Donc d'ici la semaine prochaine, je devrais pouvoir vous présenter tout ça. Ce sera animé, putain, c'est trop bien. Enfin, je vais avoir des scènes animées, et ça c'est beau. Et ça, putain, c'est beau, voilà. J'ai trop hâte que ce soit prêt, parce que là, il faut que je règle, ben, du coup, il faut que je personnalise un petit peu tout ça, il faut que je règle des trucs de mon côté pour que ça fonctionne bien. Mais normalement, la semaine prochaine, ça va être beau, ça va être beau. Donc hello hello Gandalf, hein, du coup, salut salut, merci d'être passé. On va commencer FGO dans très très peu de temps, et après on fera le Nuzlocke ensuite. Très très peu de temps means, bah, dès maintenant en fait, je vais couper la musique, puis on va y aller tout de suite en fait. Pas besoin d'attendre plus longtemps. Hop, on va quitter ça. On va se remettre sur la bonne scène. On va remettre le son du jeu s'il veut bien. Voilà, c'est bon. Tac. On va se faire en plein écran. Puis voilà, en fait, tout simplement. Ah merde, ah oui, putain, encore un problème technique aussi. Parce que du coup, le problème, c'est comme j'ai commencé mes petites manipulations de scène, du coup, tous mes trucs sur le stream deck, ils sont complètement pétés. C'est bon, ça marche mieux. Ouais, nickel. Et si je fais ça, j'ai l'écho. Nickel. Parfait. Incroyable. Monte un peu le son de ça. Donc ouais, aujourd'hui, on a deux chapitres d'histoire à faire. Donc je pense normalement environ une petite demi-heure, 40 minutes de quête principale. Et ensuite, juste les deux quêtes de farm qui vont se débloquer avec. Et après, on passera sur Pokémon. Et le site de ton lycée qui vient de 6 CFA.
Ah bah putain. Ils sont fait à quoi les notes des élèves? Putain, qu'une flèche. Allez, par contre, cet event, il est très forward. On a dit que l'event, il allait très vite. Fait pas semblant, la vache. Un petit verre d'eau, du coup, pour comment commencer. Oh, puis j'allais oublier, excusez-moi, priorité, j'allais oublier, salut Hazel, hello. J'allais oublier un truc important, merci beaucoup à Claco en larmes, que vous voyez tout en haut, Claco en larmes pour le follow, du coup, le follow back d'ailleurs, parce que du coup je l'ai follow pendant son stream, qui jouait à FGO, et du coup bah, je l'ai follow, parce que moi je suis les Français qui jouent à FGO, on sait jamais, et du coup elle m'a follow back, donc merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est cool. Encore un coup des Russes, probablement. Toujours les Russes. Bref, du coup, bah, on va pas tarder à commencer. En fait, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si c'était voilà. Donc, aujourd'hui FGO, puis Pokémon. On fait la fin de cet event samedi, full FGO, je pense. Et semaine prochaine, nouvelle scène, nouvel habillage. Ah, du coup, j'ai commencé mes tests avec la nouvelle scène, avec le nouvel habillage, le truc animé et tout. Maintenant, quand je reviens dans cette scène, je suis dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté parce qu'elle est dégueulasse, du coup, maintenant, celle-là. Donc, j'espère qu'ils diffusent des images de Giga Chad sur le site du lycée. Ah là là. Je pense qu'on va commencer tout de suite. Tac. On va y aller tout de suite. Donc, alors. Ça veut dire que je sais pas faire de violon ou pas. Donc je rappelle où est-ce qu'on en est actuellement. Ah bah ils vont nous résumer la légende, nice. Je pense, ouais, nice. Vous allez me dire, oh le jeune. Moi j'attends surtout quand vous allez dire, ok boomer, moi c'est ça que j'attends. je résume du coup où est-ce qu'on en est actuellement. On a fait que le premier chapitre et le prologue, donc ça ira vite. Il y a une singularité qui est ouverte sur l'île de Ea. C'est-à-dire l'île où il y a eu bah, toute la légende de Circé et d'Ulysse, toute leur petite aventure, machin. Et bah, du coup, bah, Circé, ainsi que Jason, Arjuna, Georgios et Orion, on va sur l'île pour essayer de trouver ce qui se passe. Et donc, on tombe sur Ulysse, qui était dans les pommes, et du coup, Circé, elle est en mode Doki Doki. En mode Doki Doki, parce que ben, voilà, Ulysse, voilà, c'est son grand amour. Oh, vous êtes tous jeunes. Oh, vous êtes tous jeunots, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous faites là, du coup? Il faut aller se coucher, il faut aller dormir, enfin. Faut réviser pour demain, enfin. Bon, allez, c'est parti. Il était une fois. Il y avait une sorcière très puissante qui vivait sur une île. Vous l'avez reconnu tous, bien sûr. Elle pouvait faire tout ce dont vous pouviez imaginer. Tout et n'importe quoi. Elle pouvait soigner les gens, elle pouvait les transformer, elle pouvait faire du poison, elle pouvait donner des conseils, elle pouvait faire des prophéties. Il n'y avait pas une seule chose dans ce monde dont elle n'était pas capable de faire. Et c'est vrai. Ceci est vrai. C'est la vérité. Tout à fait. Ah, ça va, j'ai quand même des gens majeurs chez moi. Ça va alors, tout va bien. Je me sens vieux. Bah, moi, j'ai 26, donc... pour l'instant, de ce que je vois, je suis le plus vieux d'entre vous. Mais bon. Ah, solidaire, Desparte, on est solidaire. Je te suis. Je te suis pas beaucoup, mais je te suis. Oh là là. Faut-tu t'en avril. Bientôt, oh, on va pouvoir souhaiter un bon anniversaire. Attends, y a quoi en bannière en avril? Y a des bannières en avril ou pas sur FGO? Je sais plus. On a dit quoi? Je sais plus ce qu'on a dit. Ah, c'est toi le daron, hein, j'avoue. Ah, bah en avril, si t'as la campagne de téléchargement et du coup t'as la campagne d'invocation qui va avec. Bon bah si tu veux, on priera toutes tes forces pour que tu puisses choper, Jeanne Alter, je sais pas, par exemple. Ok, bref, continuons. En avril, le Type Moon Ace, Annie Soleil.
Bientôt la tisane sous le pied. C'est quoi ça? Type Moon Ace? Ah, c'est un magazine, d'accord. D'accord, d'accord. Donc il a commencé sa publication en avril du coup. Vous êtes con. Bon, allez, on continue, bref. Arrêtons de nous disperser parce que bon, il n'y a pas beaucoup de texte, mais bon, il faut quand même qu'on lise un de ces quatre. Donc même si elle vivait toute seule sur cette île, elle n'a jamais souhaité quoi que ce soit. À part de la compagnie. Le fait est que à chaque fois qu'elle allait se faire une promenade sur la plage ou qu'elle observait les étoiles au loin, ou qu'elle se préparait un repas ou qu'elle allait dormir pour la nuit, elle recherchait constamment la présence d'une autre personne. Mais ben c'était une sorcière. Ah oui, d'accord, ok. Attends, what? Ah oui, non, ok, c'est dans l'autre sens. C'était une sorcière, et aucune sorcière ne pouvait se sentir seule, bien sûr. Tout le monde pensait ainsi, et du coup, bah, c'était quelque chose qu'elle a commencé à se dire elle-même. C'était une petite... discrepancy. Ah merde, c'est vrai. Le trad, bien sûr. Qui fait du FGO ici? Personne. Personne ici fait de FGO. discrepancy. Divergence. Ah, contradiction. Pas mal. C'est une petite contradiction par rapport à ce qu'elle était. Mais ça a été suffisant pour être fatal. Il est stylé l'artwork, en vrai les dessins ils sont... Je sais pas si tu peux montrer, si les dessins là ils sont vraiment stylés. Un jour, une fois après qu'un peu de temps soit passé... Rappelle une image du best-of Ah, le... De quoi, avec le gars en gros plan là? Le PNJ en gros plan? Donc au bout d'un certain temps, un navire a accosté. Le même, ouais. Le même est toujours disponible, mais vraiment il est top tier. Merci beaucoup d'Aspart encore une fois parce que. Voilà. Je l'ai car j'ai rien pour Pulis. Le farm, il faut farm maintenant. Avant t'avais pas dit que tu suivais quelqu'un? Ah pardon, excuse-moi, oui je viens de comprendre ta question, excuse-moi. Tout en haut là, il y a du coup en haut à droite sur l'écran, du coup tu as le dernier follower qui est affiché, c'est clac zéro en larmes. Hier soir du coup faisait du FGO, il faisait du FGO tout simplement en stream en fin de soirée. Et du coup bah je les follow tout simplement. On est plusieurs, il y en a quelques uns qui font du FGO français. C'est très très rare quand je tombe dessus, mais du coup quand je tombe dessus bah je les follow et puis bon bah s'ils follow back c'est mieux, c'est cool. Mais il y en a quelques uns quand même qui font du FGO en France et ça fait plaisir. Euh... 23 tickets 0 Ulysse. Bon, on a dit, je ferai une multi samedi parce qu'il y aura Ulysse plus Napoléon. Voilà. Il y a des refs à Los Bell 5? Je pense pas. On verra, mais je pense pas. si, je ferai une multi et il va rien se passer, donc calmez-vous, j'aurai rien du tout, voilà. Et tout va bien se passer. De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui pourrait pas arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Fais pas ça, tu vas dropper deux. Mais non. C'est ça, c'est si vous pensez que je vais drop les deux, c'est comme ça que ça va arriver. C'est comme ça que ça va arriver, comme pour Sei. Ah là là là. C'est vrai que Sei, j'en ai drop deux en une multi. Mais non. Non mais je vous ai dit que je reset le compteur interne du jeu pour que ensuite en mars j'ai dit Oscurie. Donc là normalement, les stats disent que je n'ai rien. Je n'aurai rien pendant cette multi. Voilà, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc bref. Donc au bout d'un certain temps, un navire a accosté sur l'île de la sorcière.
Les guerriers à bord du bateau, du navire, rentraient chez eux après une guerre qui aura duré de longues années. Le cours de la bourse est en haleine. Les chiffres des actions de Sedan. plongera pas, au secours. Vous savez, il y a quelque chose qui me. À propos de toi, qui me rappelle le fer. La sorcière. Il ne suffit que d'un regard de la sorcière envers le capitaine de ce navire, et immédiatement elle a décidé que c'était le coup de foudre. Immédiatement elle a décidé qu'elle l'aimait. Qu'elle appréciait, qu'elle l'aimait. Attends, quoi? C'est ça. Donc elle pensait qu'elle allait le traiter de la même façon que tous les autres guerriers. Voilà, on espère tous que le reset du compteur s'effectuera sur Artoria. On espère tous, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut pool, bien sûr, il faut pool jusqu'à Artoria, bien sûr. Je vais vraiment finir par faire croire des gens à mes conneries, hein, c'est terrible. Ulysse, Odysseus, le héros légendaire, celui qui est non pas seulement responsable de la victoire, enfin, d'avoir gagné la guerre de Troie, mais qui a aussi a traversé un incroyable voyage qui a fini par donner naissance au mot Odyssée. Ce Odysseus là? Et là vous me dites que c'était aussi votre. Ah, je suis désolé. Non, ça va, c'est pas grave, c'est. Tu peux le dire, Mash, y'a pas de soucis. C'est pas comme si les autres là derrière ils étaient très timides. Les autres ils gênent pas pour le dire, hein, tu peux y aller. Donc c'était ton ex. Mais c'est pas ridicule. C'est peut-être pas si ridicule que ça. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'était pas comme ça. On dirait ici, je reconnais cette odeur de ça ressemble à une comédie romantique, une pure comédie romantique là, concentrée ici. Romantique, vous dites? Une comédie romantique, mais c'est trop bien! Allez, dis-nous comment. Dis-nous vraiment ce que tu ressens, allez! Non, mais je vous ai dit, c'est pas. Peut-être que ça l'est, hein. Et maintenant, je sais même plus qui je suis maintenant. C'est vrai, c'est malin, félicitations. Moi, la reine sorcière. Bon, allez, retournons sur la plage, hein. Si tu veux toujours rompre avec lui, si tu veux en finir avec lui, suffit de lui dire, simplement. Et si tu veux pas, laisse-le vaquer à ses occupations, quoi. Il faut. Attends. Faut toujours regarder la tête claire et genre. Faut toujours regarder l'esprit clair quand on. Même quand on parle de romance ici. Ah, super, maintenant j'ai un ours en peluche qui me fait une leçon sur les. S'il me fait des leçons d'amour, c'est. On aura tout vu. Je suis peut-être aussi mignon que adorable, mais je suis quand même un vétéran, un tchad en termes de relations amoureuses, bien évidemment. Tiens, salut Artemis, ça va? Dada. C'est pas ce que je voulais dire. Après le reset interne, ça reste aléatoire. le plus grand chat d'Orion, on le sait, hein, bien sûr. Hein. Le meilleur d'entre nous, bien sûr. Bon, laissez-moi juste un moment, un instant. Je vais balancer un sortilège sur moi-même pour ne plus m'embarrasser, moi-même, du coup. Un sortilège?
Voilà, on est parti. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai mis une limite, une limitation à mes émotions. C'est, on peut dire que je suis dans un état constant de enlightenment. C'est quoi déjà? C'est du. Je vois la lumière. C'est comme si j'étais en état de transe constante. Bon, transe, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais bon, ça ressemble, ça va bien. Streamer, il a fait un gif avec Orion à la place du vrai chat dans Noir et Blanc. Orion, celui-là, ou Orion, Super Orion? Je pense que c'est beaucoup plus drôle si c'est cet Orion-là, du coup. Ah bien, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ça, puis d'autres trucs. Ah, Super Orion, dommage, il a raté une occasion. Ah, tu sais, des choses et d'autres. Voilà. Bon, sinon, donc, ce gars qu'on a trouvé, là... si vous parliez de ce servant, j'ai bien peur d'avoir de terribles nouvelles. J'ai malheureusement perdu ma mémoire. Attends, t'es amnésique, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Je lui ai posé pas mal de questions et il n'a pas l'air de mentir. Ah bah vous inquiétez pas, je peux vous dire son nom véritable. Comment est-ce que tu pourrais le savoir? Ah bah c'est Circe qui nous l'a dit, lui c'est Odysseus. Et c'est... Alors l'Odysseus comme le grand héros de la guerre de Troie quoi, c'est lui. Je vois. Donc, lui c'est Odysseus. Ça expliquerait pourquoi ces incroyables capacités. Hein? Mais Attendez, vous l'avez vu se battre pendant qu'on était parti, c'est ça? On n'avait pas eu besoin, je suis un guerrier. Je peux immédiatement me rendre compte de la force de quelqu'un rien qu'en en regardant la façon dont ils se tiennent, leur posture. Je vois. Donc mon nom est Odysseus. Est-ce que entendre ton nom t'a rappelé quelques souvenirs? J'ai bien peur que non. J'ai l'impression d'être piégé dans un labyrinthe impénétrable. Odysseus. Sars, on dirait pas vraiment que c'est mon nom. Ben c'est pas joli joli tout ça. Circe, est-ce que vous n'aurez pas un élixir pour soigner de l'amnésie ou quelque chose comme ça? J'en ai pas un sous la main, mais je peux vous en fabriquer un si vous voulez. Laisse-moi regarder un peu là. Si on va essayer de te soigner, je dois déjà vérifier ce qui va pas avec toi. Ben, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a un sortilège qui a été lancé sur toi. On peut pas le réparer, on peut pas arranger ça avec juste un élixir ou une potion. Ce qui veut dire que tes souvenirs n'ont pas été perdus, ils ont été volés. Audible gasp. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire si... dans tous les cas, je pense qu'on peut clairement assumer que Odysseus ici présent a une forte connexion avec cette singularité. Ça, je pense qu'on peut le dire. On peut également considérer l'hypothèse que je suis en vérité celui qui est responsable de la création de cette singularité. Bah oui, peut-être. Enfin, c'est une possibilité, mais ça veut pas dire qu'on va t'attacher, qu'on va te laisser traîner, qu'on va te laisser là comme ça. Viendrais-tu avec nous? Par le plus grand des hasards. Bien sûr. Heureusement, m'avoir rappelé mon nom véritable m'a aidé à me souvenir comment utiliser mon noble fantasme également. Apparemment, je possède toujours les connaissances de base et les souvenirs de base des autres servants. Donc, s'il n'y a pas de tant qu'il, enfin, s'il y a, si ça ne pose aucun problème, je devrais être capable d'utiliser mon noble fantasme également. Donc nous sommes donc tous d'accord. Odysseus travaillera main dans la main avec nous pour réparer cette singularité. Est-ce que tout va bien, Circe? Ouais, Circe, c'est super. Tu as dit que ton nom était Circe? Ah oui, c'est bien moi.
Bon, bah, je pense que je peux traîner un peu avec vous, hein, au moins jusqu'à ce que tes souvenirs reviennent. Merci, j'apprécie beaucoup ton aide. Circé, tu peux pas être un petit peu plus... T'sais... amical, je sais pas. Eh, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, faut s'habituer. Alors allons-y, Master. Mais arrête de me tirer aussi fort, enfin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on t'a pas appris qu'il fallait mieux parler à une reine sorcière, hein? Non mais oh. Il a retrouvé la télécommande du Megazord, exactement. Bon, il l'avait déjà retrouvé au combat d'avant, mais ouais, tout à fait. ah non, c'était une free quest, ça comptait pas du coup. Okay. C'est agréable de voir un master et ses servants s'entendre aussi bien. Dirais pas qu'il a des sentiments pour elle plus que ça, dis donc. Je sais pas. Interesting. Bon, pour l'instant, on peut essayer de trouver de suivre la trace de qui ont été laissés par ce sort qui t'a été lancé dessus. Ça va être un peu compliqué à trouver à cause de toutes ces bêtes démoniaques qui traînent autour. Mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Eh bien, allez-y, merci beaucoup. Ouais, pas, aucun problème. Bon bah, allons-y, hein. Et si tu peux pas juste passer à autre chose et genre essayer de te focus sur autre chose. Mais arrête de me mater comme ça, hein, cochonnet. Cochonnet, je l'ai dit. Cochonou, je sais plus comment je l'ai appelé. Le cochon. Dans une version du mythe d'Ulysse, c'est Circé qui est responsable de sa perte de mémoire sur son île pour le garder. Il me semble, ouais, j'avais vu ça, effectivement. Donc c'est possible qu'on ait à la fin. Ils vont nous faire une Saïcho Nagon, et alors, en fait, la méchante de l'histoire, ça va être Circé depuis le début, en fait. Mais. Arrête de me regarder comme ça, tu vas lui donner la mauvaise impression. Est-ce que tout va bien, Circé? Non, mais c'est bon, juste reste loin de moi. Quelle ironie qu'il qualifie son amnésie comme un labyrinthe sans fin, vu son histoire. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que... Ouais, on verra. Bon, bah, très bien, très bien. C'est pas la peine d'être aussi méchant, d'être aussi brutal. Est-ce que c'est vraiment comme ça que... Attends. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu devrais accueillir un ancien ami? Et d'une pierre deux coups, mais dans le ventre. de notre perspective, en fait, bah toi t'es juste une espèce d'hystérique qui frappe un amnésique à terre, quoi. Donc bon. Non mais vous pouvez pas comprendre. Ce mec est pratiquement fait de métal solide, de ses os, ses muscles, ses nerfs, son six-pack, tout. Je vois, c'est donc comme ça que vous me voyez. Il est vrai, vos mots ne me blessent pas le moins du monde. Parce que ben, je comprends qu'il y a une raison pour ton comportement. Est-ce que Jason est comme celui d'Atlantis? Bah... Techniquement, non. Parce que le Jason qui était à Atlantis, c'était... Alors, le Jason qui était à Okeanos, c'était celui qui était un qui était invoqué par le Graal, il me semble. Le Jason qui était à Atlantis, c'était un qui était invoqué par la Counter Force, je crois, il me semble. Et là, lui, pour le coup, c'est celui qui est invoqué de Chaldea. Donc c'est pas... Les trois sont différents. Voilà, normalement. De mémoire, hein, si vous me corrigez si je dis des conneries. Mais de mémoire, je crois que c'était un truc comme ça. C'est pas la Counter Force, Roosevelt, je sais plus. Mais comme il était déjà parti, je crois que si, hein. À chaque invoque, c'est bien un nouveau Jason, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Il me semble, hein, que le Jason qui était dans la Roosevelt, c'était pas le Jason de Chaldea, puisqu'il était déjà sur place quand nous on est arrivé. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Ça devait être la Counter Force. Dans la singularité, il était invoqué par Médée. Ah, d'accord. Ok. Ok, merci. Kano, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, que je l'ai pas lu, que... Il y a des détails comme ça, comme Jason qui... dégage. Surtout qu'à l'époque, Jason était pas un personnage jouable, donc j'étais en mode, bah oui, c'est un PNJ, super, et puis, on bat les couilles, quoi. Bon, voilà, quoi. Eh bien, dis-moi, il te fait vraiment confiance, n'est-ce pas, la reine sorcière?
Je vais te sortir une malédiction de pancake dans la gueule. Attends. Je vais te sortir une malédiction qui va te transformer en pancake si tu continues à rigoler comme ça. Non, s'il te plaît, non. Désolé de vous le demander, mais est-ce que vous pourriez vous occuper des bêtes démoniaques qui sont devant? On pourrait faire un détour pour les esquiver, mais j'aimerais pas qu'ils nous suivent. Bon bah Odysseus, ça va être ton tour du coup. Voyons voir quel genre de héros est le... Enfin, attends. Voyons voir quel genre de héros de héros de la guerre de Troie se trouve du même niveau que Achille et Hector. Et évidemment, Héraclès sera de toute façon le meilleur, le plus grand héros que la Grèce n'a jamais connu, de toute façon. Mais bon, bah, tu peux viser la deuxième place. On va dire ça. Je vois. En effet, je suppose qu'une démonstration de mes capacités en combat serait la meilleure méthode que j'ai de prouver ma bonne volonté envers vous. Je peux te venir en soutien si tu as des inquiétudes. Mais ma foi, allez-y. Même une chance sur 100 de perdre, ça vaut de faire tous les efforts pour esquiver cette possibilité. Ah, donc toi t'es pas du genre pas besoin, je fais tout par moi-même, hein. Avec mes souvenirs perdus, jouer le rôle du héros, du fier héros serait un peu hypocrite. Je n'ai pas l'intention de dépendre entièrement de l'aide de l'aide de tout le monde, mais je ne vais pas la refuser quand elle m'est offerte. Oui, pas. J'attends vos ordres. Bah, viens samedi, on en reparlera. ah d'accord. Ah bah oui, du coup on n'a pas le choix en fait. C'est littéralement comme ça. Très bien. Bah écoute, pas de soucis. Let's go. Donc on avait déjà vu un peu ses skills hein, la dernière fois en fin de session. Il n'a pas assez de cartes qui sont là. C'est à toi le genre comme si tu faisais un solo. Je sais pas comment ça fonctionne les solos dans ce jeu, j'ai jamais trop regardé. J'imagine que c'est taunt jusqu'à ce que George meure. J'imagine que c'est un truc comme ça. J'en sais rien. Naro. Bon, comment merder, hein. De toute façon, les ennemis arriveront pas à me faire suffisamment de dégâts pour tuer Georgios, donc... Ah, ça c'est intéressant par contre. Oui, c'est mieux. C'est toujours très perturbant d'avoir cette icône-là. De devoir cibler un gars, mais qu'en fait ce buff là est proc pour tout le monde, alors qu'en fait c'est l'antitone qui est la cible ici. C'est très perturbant. Ah oui, c'est Monsieur Rayon, c'est vrai. Monsieur Rayon. Let's go. Quel stratège? Ah bah... Ah bah il faut ce qu'il faut, hein. Avec deux riders contre trois casters, ce niveau de stratégie est hautement nécessaire. Hein. Il fallait bien Ulysse pour faire une stratégie de ouf pour gagner là-dessus, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça suffira? Je n'ai pas d'objection. C'était un exemple d'une bataille rondement menée. Même si j'ai l'impression que tu ressemblais plus à un tacticien, un stratège, qu'un guerrier. Apparemment, c'est le chemin que j'ai choisi de mener jusqu'à maintenant. T'aimes bien l'histoire d'Ivan pour l'instant? Bah écoute, pour l'instant, je suis au tout début, donc je peux pas dire si ça va bien ou pas. Je vois que ça va très vite, ce qui est pas pour me déplaire au final. J'aime ou pas, pour l'instant, c'est rigolo. Y a les autres qui balancent des piques à Circe, c'est rigolo, mais je peux pas dire grand chose de plus pour l'instant. De toute façon, l'event il va être très court, hein, donc clairement, même si c'est pas une histoire de ouf, c'est pas grave, c'est juste pour passer le temps, quoi. Est-ce que tu peux continuer à suivre le sort, Circe? Circe? Oui, bien sûr.
J'étais juste en train de me dire que je ne t'avais jamais vraiment vu combattre auparavant. Ah bon ? N'est pas jamais ? Puisqu'on... Apparemment, c'est... C'est... puisque on avait l'habitude... Enfin, on se connaît... Apparemment, on se connaissait, donc je pensais que ça incluait le fait de se battre ensemble d'une manière ou d'une autre. L'île d'Aya était tellement paisible qu'on n'a jamais eu besoin de le faire. Ah, parce que tu transformais toutes les personnes qui mettaient le pied dessus en animal, pas vrai ? Exactement, je suis pas une reine sorcière pour rien. C'est pas vraiment quelque chose qu'il faudrait être fier, hein, tu sais. Et il se trouve que bah, ton équipage n'était pas vraiment une exception, je les ai tous transformés en animaux aussi. Alors, de, qu'est-ce que tu en penses ? Plutôt terrifiant, pas vrai ? Non, pas spécialement. Je ne voudrais pas sauter sur des conclusions hâtives avant d'avoir examiné toutes les preuves, surtout quand il s'agit de juger les autres. En plus, je ne suis que l'ombre d'une histoire maintenant. Ce serait, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir une rancune contre quelqu'un, alors que contre, enfin, d'avoir une rancune pour quelque chose que je garderais quand j'étais encore en vie. Circé ? Désolé, c'est rien. J'imagine juste que ça veut dire. Ça ne représente plus rien pour toi, c'est ça ? J'ai bien peur que je ne puisse pas donner une réponse à cette question, en tout cas pas tant que je ne possède plus mes souvenirs. Pas étonnant que tu étais le meilleur stratège de tout EA. Bon, allons-y. Maintenant que les bêtes démoniaques sont parties, je peux voir la trace de l'empreinte du sort plus précisément. Donc c'est par là, droit devant. Parfait, allons-y. J'arrive toujours pas à me décider, j'arrive toujours pas à savoir si ces deux-là s'entendent bien ou pas, dis donc. Peut-être que ce serait mieux si... Attends. Ok, peut-être que ce serait mieux si on laissait cette question en suspens, non ? Et d'ailleurs, Georgios, pourquoi est-ce que tu as pris cette photo à l'instant ? Oh, quoi ça ? C'est juste que ces deux-là ils se mariaient bien dans le décor, je pouvais pas m'empêcher, c'est tout. Enfin, ils marchent tellement bien ensemble que je peux pas m'en empêcher. Attends, toi tu joues un peu le photographe de guerre, c'est bien ça ? Pensez-vous que Circé a toujours des sentiments pour, pour Odysseus ? Bonne question. On ne saura pas. On ne le saura jamais tant qu'on ne lui aura pas arraché une réponse. Personnellement, j'adorerais essayer. Ça a l'air bien fun. Moi, je suis avec Orion sur ce coup-là. Je pourrais vraiment essayer de faire du chantage. Je pourrais vraiment m'en servir pour faire un peu de chantage sur elle. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elle pourra me sauver si les choses tournent très très mal, quoi. Ah, tu parles de vous parlez de votre femme, la dame Médée. Ex-femme, s'il vous plaît. Elle appartient à elle-même et moi je suis moi, hein. Zut. J'ai décidé de vivre ma propre vie maintenant et je ne vais pas changer ça maintenant. Il a peut-être plus ses souvenirs, mais c'est toujours le même mec. Il est. J'arrive pas à savoir si je suis en colère, si je suis soulagé ou un peu des deux. Mais même si au fond, j'imagine que. Enfin, je peux dire que c'est un soulagement de voir qu'il n'agit pas différemment autour de moi que. Ouais, il agit pas différemment auprès de moi qu'auprès des autres. Il me traite de la même façon que n'importe qui. Et dans un sens, ça m'énerve un petit peu. Ah, je déteste avoir des sentiments compliqués comme ça. Je vois quelque chose. C'est pas vrai. C'est ton île. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? Bah non, je sais pas. Pour être honnête, je connais ce bâtiment, mais j'ai aucune idée de ce qu'il fait ici. Ça devient un problème très intéressant. Cochonnet ! Tu peux venir ici, s'il te plaît ? Sup ? Sup, boys ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, regarde. Est-ce que ces escaliers se dirigent sous terre ? Oh, j'ai un très mauvais pressentiment à ce propos.
Est-ce que vous savez où mènent ces escaliers enfin, qu'est-ce que ces escaliers font ici, Cersei? J'en ai aucune idée. Elles ont jamais été là avant. Donc nous avons une contradiction, enfin une... Oui, on va dire une contradiction claire entre cet endroit et la vraie île d'Ea. Une différence claire entre cet endroit et la vraie île d'Ea. On dirait que la personne qui est derrière tout ça a l'air de vouloir nous inviter. Qu'est-ce que vous en pensez, Uipa? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas envie de descendre, en vrai, oui, moi, j'ai pas envie de descendre. moi, je dis ce qu'on fait, c'est on fait un demi-tour, on quitte cette singularité et on retourne à la maison. Et qu'est-ce que ça résoudrait, hein? Refuser. Raté. Bon. Quoi, mais un labyrinthe souterrain, ça pourrait pas être un piège plus évident, même s'ils avaient essayé. J'ai pas besoin de descendre là-dedans pour le savoir. De toute façon, c'est notre, descendre, c'est notre seule option. Très bien, je vais passer devant pour éclairer. Et bien, je vais faire l'arrière-garde. Master, Circe, Odysseus, vous resterez au milieu, dès que Jason et Orion formeront l'arrière-garde avec moi. Ah, super, ça a l'air facile ça. Jason, si tu me laisses mourir, je te hanterai tous les jours jusqu'à la fin de ta manifestation. Non mais sors de ma tête, enfin. Très bien, bon, eh bien, allons-y. Pouvez-vous nous donner votre ordre, Uipa? Let's go! On descend! Yay! Mais vous me suivez, oui? Désolé. Qui m'aime me suivre? Et ya! C'est vraiment pas drôle et vous le savez. là, cette blague de chevalier Zodiac abrégé me fera toujours marrer, quoi. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, donc clairement c'était pas très long. Donc on a 3 chapitres, après on aura fini pour aujourd'hui, pour FGO. Let's go. Alors, donc là on drop quoi ici? On drop de l'argent. Oui, c'était indiqué ici en plus, de l'argent. Est-ce que quelqu'un par hasard posséderait la craft essence argent MLB? Parce que pour le coup j'en ai aucune, donc si je peux gagner un peu de temps là-dessus, ça m'arrangerait. En MLB, j'ai dit. Personne, cool. Attends, une update pour voir. Ah, bah voilà, quand même, si. On a un Arthur, on a un Super Orion, on a un Karna. Malheureusement, je peux pas me servir de leur NP parce que c'est pas mes amis. Du coup, pour la blague, on va prendre Super Orion. Voilà. C'est l'argent qui traîne, donc... De toute façon, j'ai pas de crafter sans argent, donc je m'en bats les couilles. On va juste prendre un rider, histoire d'être pas mal. On a Solfo, c'est très bien. Et hop, partons là-dessus. Ouais. Allez. Partons là-dessus. J'ai pas d'amis. Si, j'ai plein d'amis, c'est juste que ceux que j'ai, ils n'ont pas la MLB. C'est pas que j'ai pas d'amis, c'est que j'ai des mauvais amis, c'est tout. Quel enfoiré. Si, Google Drive, c'est mon ami. Et encore, des fois, il me laisse tomber. Hein. D'accord. Bien, ils sont enfin arrivés. Ça faisait... Il a fallu du temps. J'étais en train de me dire que j'avais créé cette singularité pour rien. Ça veut dire que c'est un bon ami. Oh non. Oh, ça c'est Neza. Ça je reconnais, c'est le parler de Neza, ça. Tu es sûr à propos de ça? Dipel, c'est un meilleur Goldrad. C'est vrai que j'ai jamais essayé Dipel, en vrai. Faudrait que j'essaye un de ces 4. Il est vrai. Un bon ami est un ami qui te lâche quand on a le plus besoin de lui. T'es sûr qu'il manque pas une négation, là, dans ta phrase? Il me semblait pas que j'avais cette définition, mais ok, écoute, peut-être que selon le patois local, ça change peut-être, je sais pas. un peu que je suis sûr. T'inquiète pas, ce plan est parfait. Tout ce que t'as besoin de... Ah, soit c'est Neza, soit c'est Asterios, ce qui serait cohérent avec le labyrinthe, mais je sais plus si Asterios y parlait comme ça. Bref, on s'en fout, on verra plus tard.
T'inquiétez pas, ce plan est parfait. Tout ce que t'as besoin de faire attention à... T'as juste besoin de faire attention au labyrinthe. C'était Astérios, voilà, bon. Elle a raison, Astérios. T'inquiète pas, on est entre de bonnes mains avec cette sorcière. Ça va être une Circé démoniaque, en vrai. Hein. C'est définitivement le labyrinthe. Oui, en effet. Master et moi, on a déjà... Médéa, peut-être ? C'est peut-être Médéa, mais... Pour se venger de Circé d'une manière ou d'une autre, peut-être. Peut-être, peut-être. On verra. Master et moi, on a déjà été plusieurs fois ici par le passé, donc je peux confirmer que c'est un endroit dangereux qui grouille de bêtes démoniaques. Donc faites très attention à vous, quand vous baladez là-dedans, Master. Et qui ose créer ce genre de... construire ce genre de truc sur mon île, hein? Ils se prennent pour qui, ces gens? Quoi, c'est pas de ta faute? Lui donne l'occasion de draguer son héros. Ah, l'amour! Ah, ça serait terrible. Mais ce serait génial. Tu veux dire que c'est pas de ta faute? Oh putain, ça expliquerait Jason aussi. Non mais, alors... Oui. Scénaristiquement parlant, c'est... Enfin, en termes de qu'est-ce que ça raconte. Effectivement, c'est... Jason serait bien placé si c'est bien Médéa ici. Par contre, Jason, il est venu complètement au pif. Ou alors, c'est Chiron qui avait tout prévu. Parce que c'est Chiron qui... Non, Chiron, il nous a dit d'aller voir Georgios. Oui, donc non, c'est probablement Médéa, du coup. Ouais. Je veux dire que c'est pas de ta faute s'il est là, le labyrinthe. Mais tu te fiches de moi, pourquoi est-ce que... Taki, j'ai pas le mot Taki. Poisseux, ok. Qui voudrait un jour créer un labyrinthe aussi poisseux que celui-ci, hein? Un labyrinthe poisseux comme ça. Mon paradis personnel, c'est uniquement des trucs qui se trouvent au-dessus du niveau du sol, hein. Les souterrains, c'était l'affaire de mon mentor, ça, c'était le... Hein? C'est un panneau? Il est marqué quoi sur le panneau? Il y a quelque chose d'indiqué ici. Voyons voir. Abandonne tout espoir, toi qui entres en ces lieux. C'est tout. Bon bah, qui est prêt pour... qui est chaud pour rentrer maintenant? Non mais, tu dis ça tout le temps dès qu'on va à un nouvel endroit. Bon, peut-être, même si je suis d'accord avec toi ce coup-ci. On ne reviendra pas en arrière. Donc nous aurons besoin de risquer nos vies pour avancer. Intéressant. Allons-y donc. Dans ce cas, allons-y. Et tu penses pas qu'on devrait prendre quelques précautions avant de charger tête baissée dans le danger? Je sais, genre, vous autres les guerriers, vous êtes tous les mêmes, hein. Mais allez, s'il vous plaît, venez, on revient, on part en arrière de là d'où on venait. Bon, ça, c'est peut-être pas chargé, peut-être baissé dans le danger, mais c'est très irritant en soi, donc tu ferais mieux d'arrêter, merci beaucoup. Non mais, sérieusement, j'ai un très très mauvais pressentiment à propos de ça. Je vois. Anyway, allons-y. Ah, bon, très bien, dans ce cas, allons-y. Ah oui, faites cheese. Hey, mais tu peux arrêter d'appuyer sur ce bouton, s'il te plaît. Je souris même quand j'ai pas envie. Et qu'est-ce que vous faites, bande d'imbéciles? Allons-y enfin, n'avons pas de temps. On dirait que nous avons un autre panneau ici. Le feu marche avec moi. C'est ce qui est indiqué. Oh. Tu brûles? Ou c'est moi qui brûle? Est-ce que tout va bien, Master? Vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, Mash. Je suis sûr que ces flammes ne... Non, je m'assure que ces flammes ne s'approchent pas de lui. Est-ce que tout va bien, Circé? Hein? Quoi? Bah, tu étais prise dans ce feu, non? Non, mais tout va bien, enfin, c'était rien. Enfin, je suis une reine sorcière, tu te souviens pas? Reine sorcière ou pas? Enfin, être prise dans un incendie, c'est pas quelque chose dont tu ressens indemne. Bah si, je suis indemne, ok. C'est Hécate elle-même qui m'a donné cette robe. Je vais pas m'incendier pour un petit feu de rindou comme ça. Quand bien même.
Bon, mais j'apprécie la sollicitude, hein, voilà. Bon, et sinon, vous avez remarqué qu'on était dans un cul-de-sac? Ah oui, tiens. J'imagine que ceux qui ont... J'imagine que c'est ce genre d'endroit dans lequel le chemin vers pour avancer ne se révèle que lorsque certaines conditions particulières sont remplies. Le feu marche avec moi. Marcher avec moi? Circé, approche un peu pour voir. Quoi? Tu veux que moi, je parte avec toi? Et pourquoi? Je viens d'avoir une idée. Si nous sommes censés marcher avec les flammes, peut-être que ça veut dire que nous sommes censés avancer en étant entourés de flammes, de ces flammes. Non, mais ce soit pas ridicule. Comment est-ce qu'on est censé être entouré de... Enfin, porter ces flammes? Ah, peut-être que on peut pas, effectivement, mais on peut les attraper. Master, je sais que c'est pas prévu, mais on a besoin d'affronter ce feu qui emplit cette salle. On va avoir besoin de le restreindre avant qu'il s'éteigne et on doit marcher avec lui. Ok, bah faites vos trucs, fais des trucs, qu'est-ce que je te dise. Oh flamme, je vous commande, brûle plus fort. Fall to ruin, je sais plus ce qu'il veut dire, et ressuscite, renaît des flammes. C'est un cycle sans fin de vie et de destruction. Apparaissez des créatures démoniaques de flammes. Donc elle invoque des trucs, très bien, je vois. Donc tu as transformé les flammes en ennemis qu'on peut affronter. Très intelligent. Bon, bah, bon courage les gars, hein. Je suis sûr que vous pouvez vous en sortir, y'a pas de soucis. Il essaie même pas de faire semblant qu'il va. Attends. Il essaie même pas de faire semblant qu'il va se joindre au combat lui-même. Bon, j'imagine que je vais devoir ajouter ça au rapport que je ferai à mes dés en revenant. Oh putain, Arjuna la balance! Arjuna la balance, quoi! Ah là 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 là! Après, c'est peut-être Medea qui lui a demandé. Je ne sais pas. Peut-être, potentiellement. On ne dit rien. Pour l'instant, moi, je dis que c'est balance! C'est pas ce que je voulais faire. Oh, quoi que, si ça passe. Oh, de toute façon. Rappelez-moi ça c'est Buster là, Wild Beast et Demon, ouais. Ça c'est Guts, c'est Increase Attack 3 tours et Crit Star, parce que je peux le faire maintenant. Et pas de soucis. Ça c'est. Ouais, c'est ça, c'est à chaque fois qu'il crit, il augmente sa puissance de crit. C'est broken. Du coup, j'aurais pas dû faire ça tout de suite en fait. Je suis un abruti. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû attendre le tour d'après. Parce que le tour d'après, t'as la seule fois qu'il génère des étoiles. Ça m'aurait assuré un crit de Super Orion. Ouais. Bon. C'est pas. Bon, dans le doute. Hein. Dans le doute. Ok. Quand même, le crit à 159 000 sur du neutre sans aide extérieure à part mes, c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, et puis le master skill. Oh, c'est quand même pas mal, un crit à 159 000. C'est quand même pas mal. En neutre, c'est bien quand même. Voilà, on en a eu un. Alors, qu'est-ce que t'en dis, labyrinthe? Oui, j'ai vu RIP Jean-Pierre Pernaud, effectivement. Il est décédé. RIP. Ça a marché. Le mur s'est ouvert et maintenant il y a un nouveau chemin qui est derrière lui. On dirait que tu as eu une bonne idée, Odysseus. Bon, vous avez fini, vous? Mais attends. Et si tu voulais pas nous aider, pourquoi est-ce que t'es venu de base, hein? On a réussi. Eh ouais, on a réussi. High five. Attends, qui a dit qu'on pouvait high five? Je crois que je commence à comprendre maintenant. Tu es très forte une fois que tu... Quand tu as... Ouais. Une fois que tu t'es échauffé, tu es beaucoup plus forte comme ça.
Et c'est un sourire, ça, mais ah, ça suffit, arrêtez. Bref, l'important, c'est que maintenant, le chemin pour avancer, il est ouvert. Alors, allons-y. En effet, let's go. Je suis d'accord. Susume ! Susume ! Ceci étant dit, si s'entend fait, story only. Boum. Ah, j'ai oublié de prendre ça, c'est pas. Oh, c'est très joli. Oh, c'est très joli. D'abord le feu et maintenant la glace, hein. Hmm. Et cette fois, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Apparemment. Hmm. Je peux voir un... Bon, il y a quand même le chemin qui est droit devant, donc... Ça a l'air assez simple. Il suffit juste de faire fondre toute cette, de faire fondre cette glace et d'avancer en travers, quoi. Donc, Arjuna est... Vas-y, fais. Tu sais ton truc avec ton arc, là. Tu... Vas-y. Je veux dire... Agni Gandiva, malheureusement... Quoi, tu penses pas que t'es... Tu crois que t'es pas capable de le faire, c'est ça? Bien sûr que je peux le faire. Et c'est juste que j'ai peur d'en faire trop, en fait. Si je ne fais pas attention, un simple tir de mon noble fantasme pourrait complètement détruire ce labyrinthe en entier. On n'a pas vraiment envie de ça, hein, puisque, à moins que t'aies envie d'être enterré vivant, mais... Je pense que je me retiendrai autant que possible. Mais je ne vais... Mais je vais me retenir autant que possible. Mais je vais quand même donner mon maximum, juste pour être sûr que personne ne pense que je suis pas à la hauteur. J'aime pas vraiment où est-ce que ça va, tout ça. Viens, viens à moi, Agni, et prête-moi ta force. Tout cela sera terminé en un instant. Agni, quand tu vas ? Oh, ça c'est une photo ! Toute la glace a fondu. Ah, Circe, c'est pas nager la conne. Ah, t'inquiète pas, c'est pas... c'est pas grave. Ah bah super, maintenant on est complètement trempé. Jason en 0,1 seconde. Attends une seconde, mais je viens de réaliser. Ça veut dire que Circe, elle ne porte que des habits en lin, n'est-ce pas? En 0,2 secondes. Donc ça veut dire que sa tenue est complètement transparente maintenant, on voit tout, non? Ça veut dire que... basiquement elle est indécente, c'est bien ça? 0,3 secondes. Parce que pas que ça m'intéresse d'une façon ou d'une autre. Mais juste, il faudrait faire attention à comment est-ce qu'elle va réagir. 0,4 secondes. Elle pourrait être... elle est très instable de temps en temps. Mais c'était quand même la... Non, elle est peut-être un peu guirette la plupart du temps, mais ça reste une des plus puissantes sorcières de toute la Grèce. 0,5 secondes. Donc elle n'hésitera probablement pas à transformer n'importe quel humain qui la voit dans son plus simple appareil en monstre. 0,6 secondes. Et ça voudrait dire que la vie de Master sera en danger s'il pose ses yeux sur elle avant qu'elle soit sèche. 0,7 secondes. Bon, j'imagine que je vais devoir... c'est un coup que je vais devoir prendre pour l'équipe. Désolé Master, mais je t'achèterai une glace plus tard pour m'excuser. 0,8 secondes. Sinon, en passant, vous avez vu à quel point... regardez un peu à quel point je suis rapide, j'ai des pensées ultra rapides. Je savais que je pouvais toujours... que je pouvais rivaliser avec les pensées accélérées de ces autres casteurs. Oh non, ma main a glissé! Hein, quoi? Ah bah super, maintenant je suis trempé. Et à propos de tes vêtements, tu montes ou... Enfin... C'est encore décent? Décent? Qui tu penses que je suis, hein? Je suis Circé, disciple d'Hécate et grande reine sorcière la plus grande reine sorcière de toute la Grèce. J'ai pas... Y a pas moyen que je puisse me retrouver en vêtements transparents, enfin. Oh, je vois. Ou plutôt, enfin, non, du coup, je ne vois pas. Mais tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Jason, qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolé. Je crois que mon esprit héroïque a été un peu trop acéré dans ce cas-là. Putain, j'arrive pas à croire. Jason qui s'excuse. C'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment une excuse, ça? Bon. Attends. Pourquoi? De quoi une excuse envers quoi? Tu espérais voir un petit peu de mon corps nu ou quelque chose comme ça? Pas du tout. C'est juste que je ne voulais pas qu'une jeune femme comme toi souffre de quelconque humiliation.
chaîne de fer. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, mais elle est comme ça, de toute façon. Même si maintenant j'ai une meilleure idée de ce qui se passe. Quel agréable moment. Clic. Dites cheese. À ferme. Quand tu arrives à chef, tu vas te rendre compte qu'il faut tabler la mise en scène filler à place de certaines scènes sur le VN. Oui, bah de toute façon, je sais très bien quel genre de jeu c'est Fate, et je sais très bien quel genre de scène il y a surtout dans Evansville. Oui, il faut table bien évidemment qu'ils ont dû mettre des fillers pour le faire passer au cinéma. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est évident. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, effectivement, c'est une note. J'ai enfin terminé le visionnage complet de la route Fate de Fate Night, le VN. C'était long, mais bon, c'était rigolo. Voilà, donc maintenant, one down, two to go. On part sur Unlimited Blade Works après. C'est normal, ça ruine la route. Bah, est-ce que vraiment ça ruine tant que ça? On verra. Ben, quand j'y serai, on verra, mais bon. Si c'est des scènes qui ont à peu près autant d'importance que celle de Fate, que de la route Fate, je pense qu'on peut s'en passer. De mise en scène surtout, parce qu'au secours, les scènes de Fate Night, au secours. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, quel dommage. Oula. Je pensais que... Attends. Ok, d'accord, bien ça. Quel dommage. Je pensais que faire en sorte qu'elle se mette littéralement à nu par inadvertance aurait pu lui faire le sentir un peu responsable et un peu commencer à briser ce mur de briques. Mais bon, bah ça va pas être. J'ai l'impression que ce sera pas aussi simple. Mais au moins maintenant, bah ils s'entendent bien, voilà. C'est vrai, c'est super. Je suis ravi d'avoir demandé. Alors du coup, c'est quoi la suite? Maintenant, je pense avoir juste ce qu'il faut. Alors, ils complotent pour les remettre ensemble, peut-être? Ok. Hop, un quartz en plus. Nice. C'est cool. Hop, et... là-dedans. Donc ceci, c'est du... rien du tout. Ça ne drop strictement rien. Donc on peut prendre tout n'importe quoi. Moon Cancer. Oh. Moon Cancer. Ah ouais. Vas-y comme ça. Bah écoute, très bien. On voit. C'est quand Gawain il aura son NP update. Oula, animation update. Alors en plus, les animation update, on les a pas en même temps que ce que le Japon. On les a souvent en avance. Donc là, pour le coup, je suis incapable de te dire quand est-ce qu'il l'aura. Ça se trouve, il l'a déjà eu, j'en ai aucune idée. Je peux pas te dire. Parce que nous, les animation update, on les a pas en même temps que le Japon. Typiquement, là, pour Apocrypha, au Japon, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'animation update de Jacques l'Éventreur. Nous, on l'a déjà eu. Donc, quand Lasagna aura décidé de nous les donner. Voilà, tout simplement. Il y a un autre panneau ici. Qu'est-ce qu'il dit cette fois, Arjuna? Viens voir. Détruire le paradoxe. C'est la seule façon d'entrer dans la prochaine salle. Continuer d'avancer tout droit sans regarder en arrière. La fin. Paradoxe? Quel paradoxe? Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites tous ici? S'il vous plaît, vous devez me croire. C'est Shakespeare et sa statue mentent. Ce sont des menses, Oui, c'est Shakespeare et sa statue mentent tous les deux. Ma porte, c'est la seule que vous pouvez croire, bien sûr. C'est la seule qui possède la vérité. Quoi, un menteur? Baliverne. Mephisto ici présent, c'est le menteur, bien sûr. Lui et cette statue ici présente. Puisque ce sont tous les deux des menteurs, il apparaît que seule ma porte peut être celle qui détient la vérité. Crois les dieux! Crois les dieux!
Mephisto et Shakespeare sont tous les deux des menteurs. Crois les dieux ne mentent jamais. Ce qui veut dire que ma porte, c'est la seule et unique véritable. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ne me demande pas, Schilder. Ce que je peux dire, c'est que y a qu'une seule de ces trois portes qui est la vraie. Donc nous avons trois personnes, chacun en face d'une porte différente. Je suppose que ça veut dire que notre tâche doit être de choisir la bonne. Mais la seule piste que nous avons, c'est le témoignage de ces trois personnes. Donc c'est donc cela le paradoxe. Quelqu'un ici ment et quelqu'un dit la vérité. Sauf que... Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut briser ce paradoxe quand on ne sait même pas combien il y a de menteurs ici? Bonne question. Par exemple, disons que Méphistophélès dise la vérité. Par extension, ce qui veut dire que la statue et Shakespeare mentent. Le truc, c'est que la statue nous dit également que Méphistophélès et Shakespeare mentent. Et ici, nous avons une contradiction fatale. Parce que si la statue ment, ça veut dire que Méphistophélès et Shakespeare disent la vérité. En effet. Et on peut dire le raisonnement se tient pour les trois. Tout cela résulte en un paradoxe. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune bonne réponse. Fujimaru, s'il te plaît, c'est facile à suivre quand même. Enfin, mais moi j'ai compris. Le chat, vous l'avez, vous comprenez. Enfin, vous comprenez ce qui se passe, en tout cas, peut-être pas la solution au problème. Vous comprenez ce qui se passe, le problème, vous le comprenez, le paradoxe, enfin. S'il vous plaît, dites-le moi. Donc même si l'un d'entre eux... De quoi? Donc même si l'un d'entre eux est un menteur et que un d'entre eux n'est pas un menteur, bah oui, non, t'as raison, ça ne marche pas. Circé, j'aimerais savoir ce que tu en penses. C'est une énigme, complètement, définitivement, en effet. Donc de la façon dont je le vois, celui qui a pondu cette énigme doit être un clown naturel de plus haut niveau. Ce qui veut dire, alors Jerkface, clown, je suis pas sûr que ce soit ça, donc elle parle pas de Mephisto, je pense, hein, clairement. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de prendre toute cette affaire. Ça sert à rien de... Ouais. Ça sert à rien de prendre ça pour argent comptant. Ouais, c'est, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La bonne réponse, c'est de repartir par le d'où on vient. Hein? Oh, ouais, sur une note différente. Eh, professeur, est-ce que je peux avoir... est-ce que tu peux refaire un peu cette photo? J'étais en train de faire une grimace. Malheureusement, non, mon jeune ami ourson. Une fois qu'une photo est prise, elle est prise pour de bon. Ah, enfin, non, non, c'est une fois qu'une photo... C'est une fois qu'une un spot photo... Enfin, qu'une une opportunité pour une photo est passée, et elle est passée pour de bon. Ah, oh, mince! Circe, qu'est-ce que tu veux dire par « on doit revenir en arrière » Bah, c'est simple. Le panneau, nous dit que c'est le panneau qui ment ici. Ces trois-là sont juste là pour amuser la galerie. My three friends, c'est ça. Le panneau ? Ah, je comprends maintenant. Donc, par détruire le paradoxe, il n'y a qu'un seul chemin vers la prochaine salle. En fait, du coup, si le panneau ment, il vous en fait dire, vous n'avez pas besoin de détruire le paradoxe, il y a un autre chemin vers la prochaine salle. Et par continuant à aller de l'avant sans vous retourner, il voulait en vérité dire, retournez en arrière et repartez de là d'où vous venez. Donc tout doit être l'inverse de ce qu'il a l'air. Apparemment, je commençais à trouver, j'étais en train de surinterpréter tout ça. Mais que c'est un problème compliqué pour un gros dur comme toi, pas vrai? Je peux pas répondre à ça.
Malheureusement, bien sûr, je... Attends, quoi? J'ai pas la blague. Ouais, j'ai pas la blague. Bien sûr, je ne peux pas dire par moi-même si je suis vraiment un gros dur, hein, quoi. Amuser la galerie, vous dites? Bien que je ne puisse pas réfuter la vérité dans ces mots, moi non plus, je ne peux pas laisser passer cela et vous laisser partir. Je m'en fiche pas mal. Mais j'aime pas trop l'idée que vous autres vous partiez en pensant que je suis une grande blague. Donc je vais vous écraser à la manière des dieux. Ah mais allez, mais enfin c'est bon, on avait résolu le truc, pourquoi est-ce que vous nous emmerdez maintenant? Il n'y en a aucun d'entre vous qui aime se battre de base de toute façon. Comment dit, toute règle a son exception. Allons-y, c'est l'heure du duel. Fallait que je la fasse, bien évidemment. Mesame yo camino paua. Du coup, ça rend bien un peu ce petit truc pour faire la voix de Ganesha, en fait, je suis en train de me dire. Shikatanai. Arayotto. Ok, on finit ça vite fait. Et après on part sur la vraie attraction de la soirée, c'est-à-dire le Nuzlocke, où je vais encore perdre des gens. Ça va être incroyable. Je vais perdre des gens pendant une séquence de farm, ça va être beau. Ouais, on peut faire ça, on peut le mettre là. Ah, genre on peut le mettre sur lui, c'est celui qui a moins de vie, on parle. Oh, il a un bouclier quand il se protège. Oula, ça c'est full Astolfall là, d'accord. Ah bah il y a un taunt, on va comme ça. Rayon magique, bien oui, oui. Oh, j'avoue, ces animations de combat elles sont stylées quand même. J'avoue, Odysseus, les animations de combat elles sont plutôt stylées. Ça, je dois bien le reconnaître. Ça, je veux bien l'avouer. TNP. Je suis sûr que j'ai réussi à trouver la faire ma miniature avec ça. Cool. Ok, donc ça c'est fait. En plus, cool, j'ai une master mission qui vient de finir en plus. Est-ce que j'ai vu un 2 millions de QP là? Ou de... What? Attendez, quoi? Attends. 1, 2, 3, 0. Putain, 2 millions de QP d'un coup! Cette quête est trop rentable pour ce que c'est, hein. What the fuck? Pourquoi celle-là en particulier? J'ai pas compris, là. Excusez-moi. Mauvais bouton. Ah, putain, j'ai encore un problème technique. Au secours, excusez-moi. Hop, ça, c'est le micro. Voilà. Mieux, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac, est-ce que j'y arrive à me remettre comme c'était? Voilà, ici, parfait. J'imagine que vous m'avez eu. Maestro, un peu de musique dramatique, s'il vous plaît. Les voix de FGO sont impénétrables, c'est ça. C'est complètement ça. Hein? Pas de musique? Ah, bon, bah, tant pis. Oh, dommage. Oh, quel dommage. Si c'est seulement vous aviez pu choisir ma porte... ça vous aurait mis dans des épreuves et dans des épreuves grandes et attends.
Ça vous aurait fait passer par un nombre incalculable d'épreuves aussi absurdes les unes que les autres avant de vous faire rencontrer votre fin précipitée. Dommage. Je suis fatigué. Je veux juste retourner à Cadea et m'allonger à rien faire devant Netflix. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai une récompense pour vous autres pour avoir conclu avec brio cette énigme. Qu'est-ce que ça? Adieu. Eh mais s'il y a quelqu'un de fatigué ici, c'est nous, hein. Un peu. Je ne pensais pas devoir affronter d'autres servants ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois. Donc, je suis Brian Odysseus. Quoi, tes souvenirs sont revenus, c'est ça? En partie, oui. Et on parle de quelle partie exactement? Ben, maintenant je sais que mon vrai nom c'est Odysseus. Et je sais que j'ai combattu dans la guerre de Troie, où j'ai à peine réussi à survivre. Bien évidemment, c'était du temps où j'étais encore en vie. Après, je pense que j'ai également réussi à récupérer ma personnalité. Et moi, tu te souviens de moi ou pas? Désolé, mais toujours pas. Non, c'est pas grave. C'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Tu penses? Personnellement, je suis toujours intéressé par connaître la nature de la relation qui nous unissait quand nous étions encore en vie. Tout ce qu'on a fait, c'est se blesser mutuellement. Tu m'as blessé, je t'ai blessé, et on a continué encore et encore et encore. Et il n'y a rien de bon qui en est ressorti. Parce que c'est vraiment ça qui est arrivé? Oui, tout à fait. Je vois. Eh bien, de toute façon, je ne peux pas rétorquer, sans mes souvenirs en tout cas. Quoi, tu penses que tu penses que je vais te laisser me contredire? Est-ce que tu dois te rappeler que je suis la reine sorcière? Ce n'est pas faux. Quoi, mais c'est... Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ne t'en fais pas pour ça, c'est juste que c'est comme ça que je suis, apparemment. Ils s'entendent bien ou pas, du coup, je sais pas. Oui, j'imagine. En tout cas, jusqu'à ce qu'il récupère ses souvenirs, je pense. La vraie question, c'est ce qui va se passer après. De plus, de ce que j'en sais, Odysseus était un homme marié quand ils se sont rencontrés. C'est vrai. La femme d'Odysseus a attendu pendant très 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 longtemps avant de le voir revenir. Ah oui, Pénélope, bien sûr. J'ai entendu dire qu'elle était... Elle a été entourée de prétendants pendant qu'elle attendait le retour d'Odysseus. Si seulement je l'avais connue. Tu aurais probablement perdu ton temps. Faut pas abandonner, hein. Tant qu'il y a une chance, il y a de l'espoir. Et puis tant qu'il y a de l'espoir, moi je vais toujours tenter ma chance, même si c'est une chance sur 100. Quelle expression très virile. Cheese. Je pense que je vais appeler cette photo Orion qui proclame son infidélité. C'est marrant ça, prof. Si je te connaissais pas, je jurais que t'essaierais de me faire tuer. Et tu contredis même pas. Alright. Et donc voilà qui en finit avec l'histoire d'aujourd'hui. On va juste faire du coup les deux petites quêtes qu'on a débloquées aujourd'hui. Alors, donc nous avons quoi? Nous avons du coup celle-ci. La première drop un peu de tout. Bon bah, un peu de tout, très bien. Sachant que moi j'ai besoin d'un peu de tout, de toute façon, donc je m'en fiche pas mal. On va juste prendre tout, et puis voilà. On va pas prendre les bronzes, parce que du bronze j'en ai déjà plein. Donc on va prendre tout le reste, en MLB. Enfin, ce qu'on nous propose. Personne, non mais vraiment. Je vous jure. I guess. Non, j'aime bien garder le principe de l'event qui est que les personnages masculins ont plein d'attaques en plus. Du coup, j'aurais pas dû mettre Meb en fait tout à l'heure. Donc on est contre des assassins, donc on va prendre des Crastos.
J'ai qui? J'ai Shakespeare, et puis j'ai... Sieg, ouais. Ouf! Oh, si, allez. C'est quoi, on partons là-dessus. J'aurais pas dû faire ça. Tant pis. C'est pas grave. J'aurais dû mettre les craft essence de bronze, du coup. J'ai oublié. Je suis un abruti. Partez trop vite. Alors... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Y'a moi ça? Non? Pas? Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Evade pendant un tour, Crit Strength pendant un tour, et Crit Star Gatherer pendant un tour. D'accord. Ensuite, Quick et Buster et Crit... Alors, 3 tours et 1 tour, ok. Et Étoile pendant 3 tours et Ignore Invincible pendant 3 tours. D'accord, c'est une Crit Machine, ok. Ok, ok. Putain, la taille de Shakespeare par rapport à la taille de Xiangyu, ça veut rien dire. Ok, bah écoute, let's go. Wait. Oh no, le poison. Oh no. Ouais, c'est peut-être pas la team la plus optique que j'ai jamais quoi, que j'ai sorti, hein, clairement. Shakespeare, Sieg, Xiangyu, ouais, non, y a mieux. Y a mieux comme équipe, ça, je veux bien vous l'accorder, ouais, clairement. Peut-être dû faire l'inverse du coup, d'ailleurs. On va mettre Sieg, Xiangyu et Shakespeare pour attaquer le suivant. C'est pour grave, de toute façon, 4 ans de jeu, à partir de quand, au bout de 4 ans de jeu, je sais jouer au jeu, de toute façon. Aïe, gaffe, c'est mal cette merde là. Mietre. Mietazo, ending. Oh putain, c'est mal ce truc là. Non, ça va faire mal ça, non? Non, ça va faire plutôt mal ça, non? Ça va faire mal ça, non? Ouais, plutôt, ouais. Moi, ouais, ça fait mal, ouais. Ouais, ça marche bien. Ouais, tout à fait. Alors lui, je sais jamais son NPL, c'est quoi? C'est 30% ou c'est 20%? Je sais jamais. 30%, nickel. Ah bah, comme ça. Ah bah. Ouais, mais attendez. À côté, il y a celui-là. Zig, c'est bon, je l'ai vu trop de fois maintenant. On va prendre celui de Xiangyu pour une fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'ulti de Xiangyu. Ah, nickel. Presque mort, mais tout va bien. Presque mort contre démon niveau 20, tout va bien. Yes, j'ai fini toutes mes missions, master mission de la semaine. Cool. Cool. Ok, hop. Donc ça c'est fait, ça fait encore des fonds pour Dioscuri. Ça c'est bien, toujours bon à prendre. Voilà. Et du coup, la quête suivante, ça c'est la quête de quoi ça?
Donc ça, celle-là, c'est fait. Ça, c'est la quête du bronze. Ah, le meilleur note pour le bronze. Très bien. Très, très bien, ça. Parfait. Ça, pour le coup, j'en ai bien besoin, parce que dans le bronze, il y a quand même 2-3 trucs qui m'intéressent. Et j'ai déjà commencé à farmer ce que je pouvais, mais bon, un peu plus, un peu plus, c'est pas de refus. Voilà, merci. Un petit Meloy, parfait. Bronze, ma team, bon, c'est celle-là, donc ça, c'est celle que je vais garder tout le long. Donc on va prendre les mecs de l'event, on peut prendre tout et n'importe quoi, et on veut du coup... qui c'est que j'ai pas encore? Un Aoul, là, qui... Bah, de toute façon... Oh, je peux faire du Dante là-dessus. Non, on va prendre Gilgamesh, tiens. Changer un peu. Et, je crois... Et puis, plus ou moins de gaz, tiens. Et, vas-y, on va prendre les deux craqués, là, ça ira très bien. Et à côté, du coup, c'est ceux qui, du coup, sont en train de monter leur niveau. Donc celui-là... merde, il est où? Ici, celui-là, et... celui-là. Voilà, parfait. J'ai pas une autre craft essence de l'event, moi? Ah, le bronze. Ah, est-ce que ça drop du... Non, ça drop de l'argent. Ouais, d'accord. Parce que moi, j'ai crafté dans de l'or, mais ça, ici, ça drop que de l'argent. Dommage! Bon, ça, je vais pouvoir le retirer, parce que du coup, j'en ai plus besoin. Voilà, le triple charisme, ça fait toujours plaisir. Hein. Techniquement, 100% de charge hein, en tour 1, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais pas m'en servir maintenant, mais c'est toujours appréciable. Ouh, l'émulateur, il aime pas Gilgamesh. Un tank. Ah bah, ça pourrait être l'occasion d'utiliser le truc. Mais non, on va se marier. Oh non! Putain, j'aurais dû m'en servir, je le savais, j'aurais dû me servir du NP, je suis dégoûté. C'est toujours comme ça que ça se passe. Putain de fantôme. Je crois que les fantômes, c'est l'ennemi que je déteste le plus dans le jeu. Rien qu'à cause de ça. Bon. Ça va vite se régler, mais quand même, c'est chiant. Il a retenté, hein. Il a vraiment retenté en plus, c'est pas pour rien. Ok, let's go. Bah, mais c'est ce Tentrisu. Y'a pas de beaucoup en plus, hein. Boum, voilà. Ça dégage. ça fait du pas mal de loot, ça. Nice. Après, encore une fois, dans le shop de Steven, clairement, pas grand chose qui m'intéresse. Donc bon, je vais être à la cool. En plus, j'ai plus d'énergie nickel. Toujours un plaisir. Hop, ça vite fait. Hop, voilà. Nickel. Bon, donc ça, c'était la partie FGO du stream. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ah, mais attendez, on est en mars. Du coup, hop. Voilà. Et puis ça.
Et puis ça, voilà. J'avais failli oublier, mais oui, on est en mars, du coup... On récupère tout, 5 tickets, 5 tickets, j'en suis à combien, là, du coup? Je vais pas poule, hein, vous inquiétez pas, mais je vais juste voir à combien j'en suis. 31 tickets, 178 quartz. Ça va, j'ai de la marge. Oh, un coucou, Enter, oh. Ça va, j'ai de la marge, c'est bon. Enfin, j'ai de la marge. Ce jeu, on sait jamais, mais ok. Bref, ça, ceci étant dit, ceci étant fait, je vais repasser là, je vais laisser la musique juste le temps de faire le setup pour le prochain jeu. Donc, information de diffusion. Nous sommes sur maintenant Pokémon Noir. Nous allons reprendre ce Nuzlocke. Toc. En jeu randomisé. En première partie. Voilà. Hoc, mise à jour de la catégorie. Donc, il est où ce foutu émulateur? Il est là. On fait file open récent Pokémon. Et. Non, attends. Hop, et file load state from la save ici. Voilà, parfait. Nuzlocke version enfer ou enfer, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, ça dégage. Et du coup, on fera la suite et la fin de cet événement, du coup, samedi. Voilà, pas de stream normalement prévu, du coup... Voilà. Pas de stream prévu vendredi normalement, parce que je vais... Vendredi, je vais essayer de finir la scène pour qu'elle soit prête dès que possible pour la semaine prochaine. Donc normalement, du coup, j'aurai une scène animée et tout, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de vous le montrer, ça, elle est trop stylée, je suis trop hâte de vous montrer que ça va rendre. Et puis également, il faut que j'avance un petit peu sur le best-of aussi. Hein. Bref, du coup, c'est bon, ça marche? Yes, ok, alors... Petit résumé de la situation, c'était compliqué, c'était compliqué. Nous avons réussi tant bien que mal à finir l'arène numéro 6 et 7. Donc là du coup si je reviens dans le sac, faut que je me rappelle où est-ce qu'on va au niveau de la carte. Je montais le son du jeu, tiens, ça a pas l'air très très élevé. 20 secondes. Audio setting, je m'entends. Petit peu. Donc là on est à Flocombe et on va devoir se diriger directement donc sur la tourbière, le pont, entre entraînement, une touche Janusia, d'accord. Entre l'instant... Il y a plein de villes encore que j'ai pas été voir, hein. Donc ouais, en fait on est loin d'avoir fini le jeu je pense. Hein. Ok. Bah, donc là on a fait, donc normalement voilà, on a fait cette zone là. Donc maintenant je rappelle un peu la formation de l'équipe actuellement. Nous avons récupéré dans la session précédente Fergus, le Minotaupe. Qui est actuellement équipé du multi-exp, donc c'est lui qu'on essaye d'améliorer en ce moment, même si je vous cache pas que bon, c'est pas le Pokémon qui vend le plus de rêves, clairement en termes de stats, c'est un peu dégueulasse hein, les stats de ce Fergus là. En même temps, c'est Fergus, voilà. Ensuite, nous avons notre fameuse Altera de Santa, hein, le Pharamp full électrique, mais qui ne s'est jamais laissé tomber, et qui vraiment est une de mes valeurs sûres pour l'instant actuellement. Équipée de la vie griffe pour s'assurer que de temps en temps, elle puisse taper en premier. Nous avons Nitocris, qui est fidèle au poste depuis quasiment le tout début. Je pense que c'est le Pokémon qui est le plus ancien de mon équipe maintenant. Le Magirève, qui fait pas des dégâts de ouf, mais comme c'est un spectre, permet de bien tempo de temps en temps. Léonidas, le Simiabras qu'on a récupéré, que j'ai récupéré en off entre les deux sessions précédentes, qui du coup est mon main DPS et mon Pokémon le plus puissant actuellement. Voilà, c'est un peu lui qui fait tout le café. Ganesha, qui ne sert à rien, et que dès que j'ai une occasion, je m'en débarrasse pour mettre un autre Pokémon à la place, mais c'est juste que là, bah, c'est mon sixième membre, donc voilà, le Monaf Limite qui tape qu'un tour sur deux, donc vraiment, dès que je peux, je m'en débarrasse de celui-là. Et enfin, on a récupéré Edison, l'autre fois, également, donc là, pour le coup, c'est donc dans la tour Dragospire. Donc là, lui, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, parce que pour moi, ça a l'air d'être un espèce... Pour moi, actuellement, il aurait la même place que Nitocris en moins bien. Donc, à voir. Un peu comme Edison et Nitocris, en fait. du coup, c'est plutôt raccord. Donc voilà, donc, on en est là pour l'instant. Et ma foi, et ben, on est parti pour... Là, ça va être surtout du farm, hein. Clairement, cette session, je vais pas vous le cacher, parce que...
Parce qu'on vient de finir l'arène, donc à mon avis, les Pokémon, et on vient de choper des Pokémon qui sont du coup pas du super, pas de très très haut niveau. Donc voilà. Voilà, Tour Dragospire, c'est là où on était, donc où on a récupéré tout ça. Donc voilà, ça va être un peu de farm pour la fin de soirée, et puis voilà, tout simplement. Quand je vous dis que... Ah putain, non, ça c'est... Quand je vous dis que Fergus, il me fait pas envie, là. Parce qu'en plus, séisme, ça marche pas contre lui. Ouais, et lévitation, c'est ça. Alors, on va changer, hein, du coup. Hein. On va prendre... Edison. C'est un psy, Eoko, je crois. Donc, normalement, Edison, ça fonctionne. Ouf, c'est mal, ça. Poursuite, représailles, aiguisage. Représailles. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Ça fait toujours mal. Voilà, ça dégage. Je pense que c'est pas Edison qui devrait avoir le multi-exp en fait. Wait. Le mec utilise un objet pour soigner, il a deux pas du son Pokémon quoi. Quelle idée. D'ailleurs, en termes de potions, on en est où là? J'ai pas fait gaffe. Toi là, dis-moi où j'en suis. On a un peu d'argent, en termes de potions, je crois qu'on s'était refait le plein, oui, hein, on s'était refait le plein, je crois. On a eu des mauvaises surprises la dernière fois, donc je préfère m'assurer qu'on a encore quelques Pokéballs et autres en stock, parce que vraiment, la fois d'avant, le Pokémon légendaire qu'on a récupéré et qu'on a perdu dans la même session, il m'a un peu... Je vais pas le dire comme ça. Il m'a un peu vidé mon stock de Pokéballs. Voilà. Je vais pas le dire comme ça. Eh, lui, pas. Oh putain, il va me demander un combat encore. Mais voilà, lui, pas. Et la petite Bianca. Je suis le professeur Keteliria. C'est ma fille qui vous a donné vos Pokédex. Ah, bonjour. Grâce au professeur, on a pu partir en voyage et chercher des tas de trucs et... trop super, merci, quoi. Vraiment, j'en suis bien content, ma petite. Mais nous bavarderons plus tard. Hippa, Bianca, la situation est grave. La team Plasma a fait abattre le mur d'enceinte de la tour Dragospire pour y pénétrer. Zu et... comment s'appelait-il déjà? Tiren, je crois, sont déjà partis à leur poursuite, mais... Professeur, c'est quoi la tour Dragospire? Bonne question. Elle vous intrigue, cette tour. En deux mots, la tour Dragospire date d'un temps plus ancien que la fondation d'Unis. À son sommet, le Pokémon Dragon de la légende attend la venue d'une personne en quête d'idéal, dit-on. Vous allez aussi partir à la poursuite de la team Plasma comme votre ami? Je préférerais que vous ne risquiez pas votre vie si facilement. Y'a pas de problème! Hippa et Chiren, c'est des super méga dresseurs. Ils ont fait mordre la poussière à cette team plein de fois déjà. Mais moi par contre, je suis pas forte, hein. Alors je peux rester pour protéger le professeur, hein? C'est pas une bonne idée? Merci bien, je me sens plus en sécurité maintenant. Bon, bah Hippa, je compte sur toi, file au sommet de cette tour. Je ne peux faire que cela pour le moment, mais j'espère que ça pourra servir. Un vieux gâteau. Merci le vieux gâteau, j'apprécie. Mais que diable trame la team Plasma. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau à la con qui m'a filé là? C'est un total soin quoi. Et du coup attendez, on va se dire qu'on rentre dans une nouvelle zone. Ah mais comment que je fais pour aller là-haut? Attendez, j'ai envie de voir si je peux essayer d'aller de grimper là-haut là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Oh, ça fait aucun dégât. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. C'est encore rentable d'XP ici, hein. Mais c'est l'arène ça, maintenant. Du coup c'est par où qu'on rentre, par ici? C'est à la sortie de la tour peut-être? C'est bizarre. Où s'arrête cette montagne là? Où s'arrête cette colline? Je veux savoir, dites-moi tout. Oh, là-dedans? Oh, flemme. Faut me retourner là-dedans. Même si c'était un bon spot à Pokémon, hein, mais en vrai. Ouf.
Ouf. Nice. Je pense que je vais essayer de le faire atteindre 40, un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Oh. Alors non. Alors non, 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 non. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Ça a failli encore finir en sucette cette histoire. Hein. On soigne! On se soigne! Yip! Cours, cours, cours! Bam, 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 bam! Let's go! On y retourne! Le rythme infernal! On y go! Plop, plop. Normalement, lui, il attaque normal contre moi, ça devrait aller, non? Ah, attends, il fera pas de dégâts normalement. Bon, je suis content qu'il ait appris séisme lui, hein. Pour le coup, un peu son truc le plus puissant qu'il a en stock. Hein. Oh, ça rend plus beaucoup d'XP ça, pour le coup. Ouais, non, ça, j'ai même pas envie de m'emmerder à le tuer. Enfin, à le taper normalement. On va y aller avec Leonidas. Si rentable, je pense qu'il faudrait que ce soit Edison qui prenne le multi-ex maintenant. Et que... Oh, c'est bon. Ok, encore. Allez, niveau 38, je pense que ça suffit. Ce sera pas mal pour l'instant. Ah merde. Ça marchait ou pas? Non plus. Bon, et bah du coup Oh! Oh, il est mignon! Il est mignon, il va cramer comme tous les autres! Hop là. On va prendre une technique là, sur mon stream deck j'avais encore oublié un truc. Combien d'exemplaires de la touche micro j'ai mis, moi, sans déconner, parce que c'est pour avoir accès à mon micro, quelle que soit la scène, mais la scène, au secours, quel enfer. Ah tiens, Mona Flemit, super, incroyable. Ah oui, si je fais des tunnels, du coup, ça veut dire que je peux l'avoir à chaque fois qu'il... À chaque fois qu'il fait rien, je peux l'attaquer. Sauf que ça fait aucun dégât, donc ça sert à rien. Oh, en plus, il soigne. Ok. Ramenez Leonidas, s'il vous plaît. On a besoin de cases de combat, là. Parce que... Petite balayette, là, coup de tête balayette. Voilà. Oh, merde. Ah. Nice. Nickel. Ok, on va changer du coup. Je vais faire en sorte, comme j'ai dit, que ce soit maintenant Edison qui prenne le multi-exp. Donner. Et par contre, Edison est actuellement un peu trop bas niveau pour se battre par lui-même. Donc on va le mettre en début. Mais par contre, dès qu'on peut, on change de... Enfin, dès le début, on change de Pokémon. Ah.
Balayette. Bah, nickel. Du coup, faire 813 d'XP, ça a donné quoi en termes de barre? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Nyoui, nyoui, nyoui. Voilà. Après, je sais pas si je ferais pas mieux d'aller du coup directement dans la tour. Comme ça au moins, bah, j'affronte des trucs qui sont un tout petit peu plus haut niveau. Pour le reste de mon équipe. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Histoire qu'on avance un petit peu aussi, hein. Je vais me soigner puis je vais y aller, je crois. Hein. Coute balayette. Et balayette. Nice. Assurance, c'est quoi ça? Cette attaque est deux fois plus puissante si l'ennemi a déjà été blessé durant ce tour. Ah merde, ça marche que... Ça marche surtout en combat duo, d'accord. Donc attends, là j'ai quoi? Merde, j'ai oublié de regarder les stats de Edison. Donc là il a du physique, un truc qui augmente son attaque et sa précision, et ensuite bluff. Représailles, c'est quoi? C'est doublé si le lanceur agit après l'ennemi, ça fait 50. Ça fait 50 aussi, donc ce serait pour remplacer représailles en termes d'efficacité. Poursuite, si on fait un peu comme on équipe le combat, ça fait 20. Bon, pff, non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je pense. Par contre, faut pas que j'oublie de faire. Bluff. Avant au début du combat. Voilà. Et du coup, là, contre du ténèbre, ça marche ou pas, du ténèbre? Ouais, ça marche pas, hein, c'est ce que je pensais. Mais je devrais quand même pouvoir réussir à le tuer moi-même. Hein. Le tour de bluff qui, effectivement, m'assure un petit peu d'avance au PV. Oh, nice. Ah, pas mal. Pas mal. On va se soigner, je vais faire ce que j'ai dit, on va aller dans la tour. Ça se trouve, on peut même attraper un truc. Ça se trouve, on peut même attraper un truc dans la tour. Mais je crois... C'est bizarre. Ah non. Ah, parce que là, j'étais sur le chemin de la tour. Ah oui, donc ça compte pas. Ouais. Donc techniquement, la tour, c'est une autre zone. Bon, on verra. De toute façon, je sais même pas s'il y a des Pokémon sauvages dans la tour, mais on verra bien. Hop là. Let's go. Ah non, c'est pas indiqué que c'est une nouvelle zone, hein, donc c'est... Ouais. Le champion d'arène vient de monter. Avec un peu de chance, tu pourras faire face à la légende. What? Bon chat, faut me dire. D'après vous, est-ce que c'est une... Non, je pense pas que c'est... Non, c'est pas une nouvelle zone. C'est pas une nouvelle zone. Après, c'est un Pokémon qu'on n'a pas croisé tout à l'heure, donc... Vous me dites. Est-ce que pour vous c'est une nouvelle zone ou pas? Oh putain. Ouah, l'émulateur il a galéré là, il y a un petit coup de... Il m'a fait un coup de bluff là justement. Oh putain. Non, ça compte pas, hein. C'est la même zone. Oui, allez. C'est bon, vous me donnez l'autorisation de capturer ce Pachmila? Ah, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Bah du coup, on va tester une... Super Bowl. Bon, par contre, si ça me prend plus que 3 balls, je... Voilà. Il va mourir dans 2 minutes aussi. Oui, oui, sûr. C'est sûr, de toute façon oui, donc autant que j'ai de la réserve. Euh...
Bon. Pashmila féminin, enfin femelle, trouvez-moi un nom. Et pendant ce temps-là, les poils blancs sont recouverts d'une graisse spéciale qui leur permet d'esquiver facilement les attaques. Déjà, j'ai très envie d'appeler Tamamocat, mais... Non, c'est une souris, donc en plus, ça n'a rien à voir. Donc non. Donc trouvons mieux, trouvons mieux. C'est une souris, rien à voir. On a quoi comme servant souris dans le jeu? Ou des fouineurs, peut-être? Ou un truc avec une grande écharpe? Y a quoi comme perso qui est genre... très à la mode? Ça peut être Mebd. Genre, tu sais, pas avec les écharpes, mais tu sais, avec genre plein... Genre très, très à la mode et tout. Ça peut être... des trucs un peu en fourrure, machin. Peut-être Mebd, éventuellement. En plus, le côté pimpant, un peu, peut-être. Des suggestions, sinon? Vous avez pas d'idée autre que... Parce que moi, je pense que je vais partir sur Mebd, hein, pour le coup. Hein. Je pense que ça me paraît pas trop hors propos. Mebd. Le fromage. Une souris. C'est parfait. C'est parfait. comment s'écrit Mebd déjà? C'est Mebd, c'est ça? Je crois, hein. Attends, je vérifie ou pas dans des conneries, mais je crois que c'est ça. C'est marrant, quand tu tapes Mebd sur Google, la deuxième image qui sort, c'est FGO. C'est beau, c'est quand même beau. Et oui, c'est bien ça. Ok. Allez, c'est parti, on part là-dessus. Du coup, faut que j'aille le chercher dans la boîte du PC. Attendez, on va le chercher. On va remplacer Monoflémite. Ah, j'aurais pu avoir Ectoplasma. Ah, j'ai déjà Nitocris, donc c'est pas grave. Ah merde, il dort. Fuck. J'ai oublié qu'il dormait. Fuite. J'ai oublié qu'il dormait. Alors, qu'est-ce qu'elle sait faire, notre très cher Mebd national, là? Donc déjà, on va remplacer tout de suite Ganesha, voilà. Ça c'était fait, déjà. Alors, c'est quoi ses stats et ses capacités à Mebd? Dort beaucoup. Donc effectivement, c'est aussi la tour Dragospire, donc c'était la même zone techniquement, mais c'est pas grave. Dors beaucoup. Joli sourire. Séduit parfois l'ennemi au contact. Je pense que je vais vraiment ne pas regretter de l'avoir appelé Mebd, hein, pour le coup. Séduit parfois l'ennemi au contact, ok. Donc par contre, tu connais quoi comme attaque? Coup de main, ça marche mieux en duo, donc j'en bats les couilles. Chatouille, qui baisse l'attaque et la défense d'un ennemi, ok. Berceuse, et plume au queue. Nom de Dieu. Nom de Dieu. C'est compliqué. Par contre, berceuse, c'est trop bien pour capturer des trucs, ça. Berceuse pour capturer des trucs, c'est trop bien. Voir si j'ai pas une vraie attaque à lui apprendre, par contre. Est-ce qu'elle peut apprendre surf, par hasard? Ça me semblerait étonné. Je sais jamais. Merde. J'ai force, éventuellement, déjà, qui peut marcher. Mais après, j'aimerais bien lui apprendre autre chose qu'un truc normal, quoi. Je sais pas trop ce que je pourrais lui apprendre techniquement à elle. Que j'ai en stat. Ah, c'est quoi ses stats? Attends, j'ai pas fait gaffe. C'est quoi ses stats? Est-ce qu'elle est mieux en physique ou en spé? Attaque 60, attaque spé 63, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Putain, vitesse 49. Oh, vache. Bon, Dracogriffe, ça m'étonnerait que ça passe, mais on sait jamais, hein, on va essayer. Bien sûr. Merde. Tunnel casse-brique, on va regarder casse-brique, mais pareil, il faut que ça passe. Non.
tombe roche, repos, balayette, écho. Attaque l'ennemi avec la croix, cette attaque devient plus efficace si à chaque tour quelqu'un l'utilise. Ouais. Avec la voix, pardon. Pas avec la croix, n'importe quoi. Rayon chargé, chute libre, acrobatie, représailles. Je pouvais pas parler, je suis dans un donjon avec des animaux sur leur star, ça fait 3 heures. Putain. Ah, bon courage, du coup. Venge, un Pokémon de l'équipe KO. Ouais, 5 TP seulement, c'est un peu chiant. Flash, change éclair, survin sec, piétisol peut-être. Ouais, elle peut vraiment prendre que des attaques. Ouais, elle peut vraiment prendre que des attaques normales. Hein. Feu glacé, peut-être. Non. Engorgement, tu vois. Direct toxique, peut-être, on sait pas. Non, toujours pas. Éclair fou, éclair trog. Bon, bah non, bah du coup, je vais lui apprendre force et puis c'est mort. Hein. Elle peut pas apprendre force non plus, mais vraiment. Est-ce que tu peux apprendre coupe? Même pas! Merde, mais attends, mais. Tu peux apprendre quoi du coup? Bah écho du coup, elle pourrait apprendre écho quand même. Voilà, merci. Quand même. On va lui faire oublier coup de main là, parce que vraiment ça dégoûte un peu. Mais waouh. Ouais, ça va pas être le meilleur membre de mon équipe, ça je sens encore. Clairement, c'est pas là-dessus que je vais me... C'est pas sur Meb que je vais me reposer, sans mauvais jeu de mots, pour avancer dans le jeu. Non. Ah, non. Là, voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut farmer des trucs intéressants dans ce monde-là? Galekid, ok. Normal. Merde. Dommage. Je sais plus ce que ça donne, Sol contre Acier. Je sais plus qui gagne. Sol, c'est bien ça. Décidément. Oh yo, un tout doudou. Un tout doudou. Un tout doudou. Ah, autant il y avait une zone où c'était full légendaire, autant là c'est un peu la zone full normal et minus. Hein. Vache. On dirait que quelque chose se passe au sommet de la tour. Vite, allons-y, let's go. Hop, viva. On dirait qu'il est possible de passer sur les piliers effondrés. Bien, je continue de poursuivre la team Plasma. Oh putain, jeu de plateforme, let's go. Comment je fais ça? Comme ça. Non. Putain. Je pense que je suis bon. Oh, un fragile Eddy. Enfin, une fragile Eddy, du coup. Bonjour, madame. Bam. Oh, petit crit qui fait plaisir, là. Bam, incroyable. Nickel, ça. Allez, comme ça, d'accord. Oh, mais attends, il y a un objet là-bas, je croyais que je l'avais pas vu. Oh putain, Régis, j'aurais pu choper un Régis dans cette zone. Au secours. Les mecs sont là en mode, oui, je connais la strat et tout. Spoiler, non. Bon bah je vais chercher Ganesha du coup, hein. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? On va chercher Ganesha, voilà, c'est tout. C'est pas ce que je voulais faire. Cool. Bon. Après je vous avouerai que bon Edison, je te dis, c'est pas le Pokémon qui me... dont j'avais le plus d'espoir non plus. On va prendre du coup ça, on va le mettre sur Meld, donner le multi-exp, voilà. Voilà, bon comme ça on va changer. En vrai, en fait, il faudrait vraiment qu'à chaque fois je fasse, à chaque session je fasse une prédiction en mode est-ce qu'il y a un mort cette session, histoire de faire varier les points. Bon, quoi que non, même pas, parce qu'au final vous allez tous voter pour oui et du coup
Il y a aucun chemin. Putain, il y avait même un créfadet là-dedans. Putain, encore la tour des légendaires, je reconnais. Bah du coup, merceuse. Ouais, non, hein, il fait mal en fait. Hein. Ça fait mal, bro, dis donc. Hein. On a tous voté oui, c'est ça. Donc du coup, il y a aucun point qui va partir parce que vous avez tous voté pour la même chose. Donc c'est pas, ce sera pas très drôle. Pourquoi je fais ça? C'est un psy. Pourquoi je fais ça? Sur le nombre, ah, un ou deux morts, ça par contre ça peut être rigolo. Ouais, alors non, ouais non, ça c'est perdu d'avance. On va y aller, hein. C'est perdu d'avance du coup. Par contre, ça a pas mal d'XP en ectoplasma. Non, merde, c'est l'autre que j'aurais dû faire. Oh putain, hé hey. Représailles peut-être. Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Hors de question que je perde une hypocrite là-dessus. Hein. J'ai tellement bien fait de prendre une potion, il m'aura attaqué d'abord. Ah. Allez, tu crèves. Mais monte au niveau 31, incroyable. On va se soigner. En tout cas, j'avais dit que ce serait une farm d'XP aujourd'hui. Hein. Bon, faire un cul, c'est un couteau. Bon, bah on va chercher Ganesha du coup. Ça n'aura pas été long. Allez, viens là toi. Tu dégoûtes un peu, mais viens là. Hop là. Et toi du coup, tu rejoins la Ligue des Braves. Putain, ça fait... Au secours, ça fait déjà 10 Pokémon qui sont KO. Je suis tellement mauvais à jeu, c'est terrible. Et après, vous voulez que je joue à Elden Ring en plus? Vous êtes malade. Vous avez vu comment je suis mauvais aux jeux vidéo? Vous êtes malade. En plus, après, c'est full normal, quoi. C'est tellement nul. Tellement nul. Tu causes encore. Oh. Ah non non, mais clairement je... C'est... Si j'arrive à finir le jeu, c'est très... ça sera un miracle. Hein. La vue commence à engager, c'est compliqué. Hein. Ça je... Effectivement, je suis le premier garanti. La ligue de cette version est terrible. Incroyable. Incroyable. Ok. Eh bah putain! Je m'attendais pas à ça, tiens. Vache. Bon, comment je vais chercher cet objet là? Il est là. Là, il. Ouais, après c'est random, ça se trouve les mecs de la ligue ils ont des Magikarp hein. Oh, ça fait mal en fait, merde. Je m'excuse, ça fait plus mal que ce que je pensais. Gros dragon, ça serait bien si j'avais encore un dragon.
Ah oui, on peut grimper là-dessus. Ah oui, d'accord, ok, excusez. Donc on peut grimper là-dessus pour faire tout le tour, sauf que... ouais, ok, d'accord. Heureusement, il attaque avant moi. Ah, le coup critique qui fait chier. Ah, merde, chiant ça. On va se soigner. J'ai pas une potion qui est... une super potion, ça ira très bien. Hop là. Ben ouais, Draco est mort. Nous avons perdu Mordred. Contre Arceus, d'ailleurs. On est d'accord, ça n'amène à rien, ça, c'est nul. C'est... ça ne sert à rien, si, si, ouais. Faut bien passer par ici. Voilà. Un petit art. Lol. Un petit art. Est-ce que Echo... voir un peu les dégâts que ça fait, Echo. Ouais. Ouais. Un plus beau que eux, hein. Ouais. Ouais, ben écoute, Petit soin, hein. La vitesse qui descend en flèche alors qu'elle était déjà pas élevée, quoi. Oh quoi, putain, je tape comme devant. Oh, nice. Endroit, let's go. Module pyro, ah ça c'est pour Genesect. Je suis toujours sur les serveurs NA, oui oui je vais pas changer. De toute façon Lost Ark j'y joue vraiment de façon très très succincte. Clairement je vais pas vous le cacher. Mais oui je suis toujours sur les serveurs ouest américains parce qu'il y a personne. Comme ça au moins c'est facile de jouer. Je sais pas par où je vais là. Raté. Attendez, est-ce qu'il y a un moyen? Ouais, c'est bon, non, c'est bon. C'est bien comme ça. C'est bien ça. Oui, ça s'est vidé, je pense, ce truc-là. Mais je pense que de toute façon, le jeu, il va vite se vider, en vrai. Hein. Une pile, ça sert à quoi? Dans ce jeu. Elle augmente l'attaque lorsque le Pokémon subit une attaque électrique. C'est pas incroyable. Ok, donc là, c'est... faut que j'aille bah, la même, par ici. Et puis on grimpe, on grimpe, on grimpe. La lumière au bout du tunnel. Oula, oula, une famille là, qu'est-ce qui se passe? Oui, pas. Nous les retenons, file. Ah, où... ah droit devant. Je me fais pas de soucis, même si, avoue-le, ils y sont beaucoup. Ces types sont épuisants. D'accord, bah écoute. Ah oui, ok. Ah, ce Zou et ce Chiren, quelle plaie ces deux-là. Watch him me sortir un Mewtwo là comme ça de l'AlphaGo. Anthropius, bon ça va. Ça va, y'a pire. Face à Leonidas, ça devrait le faire. Non. Ah d'accord. D'accord, bah écoute si tu veux. Pas de soucis, fais ce que. Voilà. Je te dis, si t'as pas envie, t'as pas envie, hein. Et puis voilà. Ok, bah écoute, si t'as pas envie d'affronter lui non plus, c'est pas grave, on va aller avec Cinebrave du coup. Il y a un roue de feu, et puis voilà. Voilà, nickel. Je ne vous comprends pas, je ne vous comprends vraiment pas. Tous ceux qui nous feront face à la Team Plasma vont souffrir. Ah ouais, on va... oui, on va souffrir, effectivement. Ouais, oui. Bon, on va plus moquer. Comment c'est l'esquiver, mais l'enfoiré. Plus moqueux. Mais vraiment, quoi. Peut-être me soigner, là. J'ai 40 super potions donc je suis large, j'ai encore largement de quoi faire. Hop, hi. Voilà, bonjour. J'ai peur que tu as décidé de devenir Kier, tu imaginais avoir la force de nous vaincre.
Écoute, oui. Chatouille. Baisse son attaque, sa défense. Ok, du coup, je peux peut-être essayer de faire ensuite un plume au queue. Nice. Nice, niveau 34. Je peux pas prendre une attaque là, non. Tant pis. N'existons que pour servir notre maître à tous, N. Vous êtes combien comme ça, juste pour info? Putain, deux Pokémon, attention. Un Lamantine. Oh bah ça, c'est un combat pour Altera the Santa. Et... Vive Griffe, into... Atta! Matou! Terraclope. Merde, c'est Spectre ça, non? C'est Spectre ça... Oh, bon, Nito Quiz. J'ai un doute. Il augmente la pression, oh non! Tiens, deviens fou! Ah ouais, ça fait super mal en fait. Nice. Ça, je commence à capter le type ténèbre, le type spectre. Comment ça fonctionne, hein. Enfin, il serait temps. Depuis que je suis à la tour Dragospire, je suis survolté. Tu vas perdre. Bah écoute, je t'attends, ramène-toi. Trois Pokémon. Oh là 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 là. On ne les arrête plus, dis donc. Togetic, Oh putain, j'ai la flemme, Altera, j'ai la flemme. Matou! 35, pas mal. Le Vénard. Le Vénard, il va falloir changer, ouais, parce que le sac à PV comme ça, ça c'est coup de tête balayette, hein. Ça donne tellement d'XP. Vos tourneaux, je sais plus ce que c'est. Oh, vos tourneaux, d'accord. Oui, plutôt. Ok. Bon, ça va du coup. Ok. Un autre. Oh, il y a un objet. Acrogriffe, c'est quoi ça? Acrogriffe, 5 heures de donjon pour rien. Waouh. En multi du coup, 4 heures de donjon pour rien. Ah, ça augmente le dégotage éteinte. Mais du coup, ouais, c'est oui, ça, c'est des mecs en multi, ils ont fait n'importe quoi, ou c'est quoi, c'est que t'as pas eu le bon loot que tu voulais. Hein. Oh, les capacités de la déesse poussée à bout de souffle. Raté. De notre côté. En sans veine, ok. Alors attends, question, si je vais de ce côté, il faut aller là, après je peux pas y aller, donc là si je vais ici, je peux pas aller par là, into là-bas, into ici pour aller chercher ça. Fossile armure, alors regardons ces deux trucs que je vais me choper. Hein. N'arrive pas à tuer le boss. Double l'argent gagné, fossile, on dirait une partie incolée, d'accord, ah oui le fossile, ok. Leroy Jenkins, hein, c'est la meilleure strat. Oula, qu'est-ce qui se passe encore, hein. On dirait que quelque chose ou quelqu'un se bat violemment au sommet de la tour. Oh mon dieu, le scénario avance sans moi. Oh, un truc pour augmenter le crit, nice. Le seigneur N va bientôt cindre les scintillants lauriers du héros. Oh, tu étais là. Or donc, dégénère essaierait d'interrompre cet instant glorieux entre tous. Au nom de votre roi, arrêtez-moi ce dresseur pouilleux! Mais... Nous n'avons que des ennemis hors de la team Plasma. Purifiez-moi cette chose! Une nouvelle aube pointe sur Unis, tu ne l'arrêteras pas! Est-ce que j'affronte les quatre en même temps ou comment ça se passe là? Excusez-moi, mais ça fait à beaucoup là quand même! Le mec meurt trop vite, c'est dur d'esquiver avec 3 dash pour les push, ouais.
le dash dans Lost Ark, enfin le dash de base, effectivement, c'est, il est vachement long quand même à sortir. C'est un peu chiant. On va tenter la berceuse, tiens. Ah merde, il esquive. Je fais un vœu. On peut retenter la berceuse. Yes! Incroyable. Echo! Papapa. Merde, mais du coup, il est réveillé. Attaque spéciale augmente. Merde, c'est pas ce que je voulais, ça. Il a refait un vœu. Ouais, bah écoute, tant pis. Hein. On a essayé, ça n'a pas marché, let's go. Au bout d'un moment, hein. Bah. 36, bien, c'est bon. Mastouf, je sais plus ce que c'est, ça dégage. Un normal aussi, casse-brique dans la gueule. Balayette dans la gueule plutôt. Brah. Oh merde, il est pas mort. Ah bah d'accord, bah super. Ganesha est forcé de sorti de force. Ganesha pour le win. C'est du sarcasme, j'aurais pas vu. Et ça, donc je me fais vraiment les 4 à la suite. D'accord, le 4 à la suite, les gars. Mec, c'est en mode on veut que des gens qui ont la strat, mais eux l'ont pas. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un peu pour ça que moi, les MMO, j'aime bien jouer en solo, parce que ben... quand je peux. Parce que ben... parce que les joueurs de MMO, quoi. Putain, ça fait aucun dégât, Echo, c'est terrible. Go Altera, ça. Altera, c'est sympa. Bah oui. Vive Griff, et tout. Wataou. Brrrah. Deux sur quatre, je vous attends les gars. On bat les couilles, je vous prends tous en même temps. Non, je vais pas dire comme ça. Ah. Solarok, bon bah ça va être du combat aussi, hein, donc du coup Mister Lomidas, hein, comme d'hab. Plus utiliser d'objets, on m'en bat les reins. Brah. Merde. Ah oui, c'est Psyroche, donc du coup pour le combat, du coup ça passe. Hein. 44 Leonidas, incroyable. 37 meubles, ok. Melodelf, bah écoute, ça reste. Je vais même close combat, Melodelf. Oh là 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 là. Encore un pour la route là, let's go. Le 4 à la suite, comme un question pour un champion. Un Ponyta à la fin. Ah mais si, du coup j'ai récupéré un truc exprès pour contrôler les Pokémon de feu maintenant. C'est vrai, ça. Ça marche ça. Le sol là-dessus c'est très efficace. Oh non, vraiment. Ah bah c'est tué, bah yes, mais super. Ok, c'est bon. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant. Tu as mérité de passer. Je vous ai tous défoncé. Tiens là, toi le vieux. J'aurais dû me soigner avant. J'aurais dû me soigner avant, quel con. Le héros nous conduira à un nouvel âge d'or. Oui, vous, misérable dresseur, vous perdrez vos précieux Pokémon. Ah bah non, d'accord, il se bat pas. On va soigner avant, parce que je sens qu'il va y avoir des dingueries au-dessus. Super potion, med. Tergus. Attendez, mais c'est déjà le combat final contre N, là ? Que tu connais pas, c'est pas grave, tu te demandes ou tu regardes une vidéo du boss, et après, à force, tu recommences à reconnaître les patterns, mais là, non, j'avais deux mecs qui font que mourir de la même chose en 2 heures. Le jeu. Tu vas pas me faire ce coup là quand même. Autant quand c'était la sauvegarde. Je comprends.
Mais là, c'est une scène en 3D. Et les scènes en 3D, tu sais les faire d'habitude. C'est pour ça que le jeu s'appelle Pokémon Noir. Bien joué. Bien joué. C'est Tales of qui m'a maudit. Bah ouais, c'est quand j'ai dit que je ferais plus Tales of, du coup, le jeu, il m'a maudit. Bah cool. En fait, si le Nuzlocke s'arrête, ce sera pas à cause de mon niveau ou de ma victoire, c'est juste à cause d'un putain de problème technique qui fait que le jeu se lance plus, en fait. Bon. Eh ben, cool. Comme en plus, je n'ai pas sauvegardé de tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout ce qu'on a fait depuis le début de cette session n'a servi à rien. Cool. Donc, ce qui va se passer... Bah attendez, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais vérifier déjà sur Internet ce truc-là. Pourquoi donc ? Attendez, fais un truc. Melon DS Pokémon Black N Freeze. Ah ouais, non, t'es arrivé pile au bon moment. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça raconte ? Non. Almost freeze when saving. Donc là, c'est pas en save, c'est before boss. Fais voir. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a une nouvelle version de l'émulateur Melon qui va arriver dans pas trop longtemps, parce que du coup, il y a eu un merge du fixe du problème de sauvegarde qui a été effectué le 27 février 2022, donc c'est encore très très récent, donc l'émulateur il est encore maintenu, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore la nouvelle version de l'émulateur qui est sortie officiellement, donc c'est un peu chiant. Et et en plus, je n'ai pas moyen de revenir sur l'ancien émulateur que j'utilisais avant parce que les sauvegardes de l'un sont pas compatibles, les save states d'un émulateur sont pas compatibles avec les save states avec un autre émulateur. Donc c'est cool. Faut voir si par hasard je fais save state into file là-dedans là. Et que je fais load state par hasard, est-ce que ça débloquerait pas le truc ? Non, bien sûr que non. Écoutez, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le tout début de la session là qu'on a fait en off. Je vais me retrouver. Non, pour le coup, j'accélérerai pas en plus. Ce coup-ci, j'accélérerai pas. J'ai fait gaffe justement. Donc ce que je vais faire, il me semble effectivement avoir vu passer très très vite quand je cherchais justement à corriger le problème de la sauvegarde. Il me semble avoir vu passer effectivement un mec qui disait que ça crachait aussi sur N, enfin juste avant le combat avec N, et du coup on était devant du coup. Donc il faut que je vérifie, faut que je retrouve en fait cette histoire et que je vérifie ce qu'ils ont fait pour corriger ça, s'il y a une correction qui est possible. Mais sinon ce que je vais faire, je pense, c'est que dans tous les cas, en off, je vais refaire ce petit bout de session. M'arrêter juste devant la salle avec N. Donc une fois que j'ai fait le combat avec les 4 Gus, là je sauvegarde vraiment, je fais une safe state et je m'arrête là. Et puis après on verra si j'arrive à trouver une solution pour débloquer l'émulation. En attendant, je vais vous laisser regarder le chat qui s'amuse là à côté. Ça va toi ? Oui. Je vais essayer de trouver une solution en off du coup, parce que là tout de suite je l'ai pas. Mais ça me fait chier que de me dire que potentiellement le Nuzlocke va se finir sur un problème technique. Franchement, ça me casse un peu les pieds, je vous avouerai. Avec tout ce qu'on... Après tout le temps qu'on a passé dessus, ça serait un peu dommage, clairement. Elle est quand même sur la table. Oui, nice. Ça serait un peu dommage, effectivement. Du coup, tant pis, hein. on va faire avec, on va faire ce qu'on peut, hein, tout simplement. Donc, écoutez, messieurs, mesdames et messieurs, sur ces tristes paroles, sur ces malencontreuses mésaventures qui nous arrivent, on va s'arrêter là pour ce soir, c'est pas très grave. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un autre gars qui streamerait du FGO, quelque chose comme ça, tout à l'heure, hein, aujourd'hui ? Catégorie FGO...
Personne en France. Ok, et bah tant pis du coup. C'est pas grave. Attends, et en petit. Non, y'a pas. Ok, c'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter là. On va reprendre ça. Du coup, j'ai dit samedi. Samedi, on termine l'event de Circe. Et. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Du coup, voilà. Et peut-être. Peut-être. Si j'ai fini les scènes d'ici samedi. Peut-être que je pourrais même vous les montrer et transitionner sur la nouvelle interface graphique du stream d'ici samedi, peut-être. Mais j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va donner. Ça va rendre trop bien, je vous le jure, ça va être super. Voilà. Du coup, bah écoutez messieurs, dames, merci beaucoup d'être passés. Et puis bah on se retrouve du coup samedi. Bye! Jojo.